tu encore. Bon, mais non, mais c'est un happening, mon ami. C'est un happening, comme on dit dans le milieu. Quand on a quelque chose, une situation qui nous énerve et qu'on fait ça, bah maintenant je prends les gants. Je mets les gants parce que j'ai les gants ici. Mais non. Et ouais, je tape. Et tu seras mon sparring partner. Honoré. Mon sparring partner. Et ce sera énorme. Ce qui va se passer. Bonsoir, messieurs, dames. J'espère que vous allez bien. Alors attendez, je vais mettre le chat juste à côté de moi. J'ai un petit écho, je crois, en Redjai. Je sais pas. C'est parce que cool, dolphin. Ah, c'est le micro. Excuse-moi. Peut-être que je me mets à hurler, à beugler comme une bestiole. Ce soir, nous avons un programme dantesque qui s'annonce en compagnie de Norman Genesis, qui nous fait l'honneur, que dis-je, le privilège, que dis-je encore, l'honneur à mes côtés ce soir. Et en plus, je crois qu'on aura un petit bonbon, une petite sucrerie de fête. Milliardise. Zari viendra nous rejoindre. Zarino. Pour un trisome. Qui sort au milieu. Je ne sais pas. Je suis honoré d'être là. Déjà, pourquoi ce côté-là? Oh bah merci, c'est super simple. 2 parce que t'es un ami. 3 parce que c'est mes dernières émissions de la journée. J'aurais fait le tour du cadre. Quand même, non, il faut le dire, parce qu'on rigole, mais t'es là depuis midi et demi, t'as fait toutes tes émissions. C'est vraiment, c'est vraiment fatigant. T'es pas à l'usine, mais c'est fatigant. C'est pas 10h30 avec le replay. Le replay d'hier. Non, je suis content. Non, Max m'a dit, tu verras la dernière émission, tu seras fatigué. Non, moi je suis comme speed. Mais toi, plus j'avance, tu dirais que c'est les effets de la coque. Ah, in. La coque. Non, c'est bien sûr de la coque. Le Coca-Cola. Non, le coque. Évidemment. Et ce soir, on va se régaler. Ah, mais je suis content. Petite nouveauté, tu découvres des choses. C'est bon, on a un programme d'enfer. Évidemment, bonsoir à la régie. Comment ils vont, ça c'est... Bravo. Ah. Oh, ils sont là. Ce trio toujours gagnant, hein, si je peux me permettre. Mais je crois qu'ils n'ont jamais perdu. D'où le nom. D'où le nom. D'où le nom. On voit Latif au fond. Qu'est-ce qu'elle a mangé, Latif? Latif by night. Je ne suis pas satisfaite, en fait. Oh, qu'est-ce qu'elle a grignoté? T'as vu son pull, Aladdin? Le mec qui est à côté de ses pompes, le roi lion. Regardez-le, celui-ci. Ça va peut-être grailler. Comment elle va, la petite Marie? Ça va, on est là. Hein. Bah super, merci pour cette intervention. Ah, dis donc, la vache. Argumentation. J'ai une journée avec Marie aujourd'hui dans l'open space. J'ai la tête comme ça. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Le cul. On parle que de ça. Non, mais on n'en peut, peut plus. Je vous dis les insights. Regardez là. Les gens me croiront. Ah, c'est une rapace. Et je l'ai dit que je le ferai. Petite dédicace tout de même à notre ami Xari. Ah bah. Tu sais, c'est quoi tu sais quel est le truc qui caractérise le plus Xari? L'intelligence, la générosité, le cœur sur la main. Il adore les gros nibards. Et j'ai dit que je le dirais ce soir, je le répète, il n'est pas là, on en parlera en fin d'émission. C'est un fan. Les Ropioplou. Les Robert. Voilà, on l'adore. Et voilà, c'est une petite dédicace pour Fologzab. Et il est pas au courant, il fait pas tous les jours l'émission, il fait pas toutes les semaines, il connaît pas. Non, j'allais dans l'humain. J'allais dans l'humain, la générosité. Il aime les gros. Et bien sûr, Rizzo. Rizzo, manette, entendez. Il Rizzo. Est là. Le tueur. C'est le défoyeur. Ce mec est partout. Partout. Mais qui est partout, il est dans les autres émissions, il est là sur son chat. Hier, je vais sur Domingo, je dis bonjour, qu'est-ce qu'il dit? Bonjour Rizzo. Enfin, Rizzo, il est partout. Il est tout part. Le mec est tout part, il a step up. Juste GG à lui, on n'a rien pu faire. Alors, avec Rizzo, j'ai proposé humblement, je n'ai pas le quart de son talent de réalisateur, je n'ai aucune vision, je ne suis pas un artiste, mais j'ai dit à Rizzo, écoute, qu'est-ce qu'on a eu la semaine dernière qui nous avait proposé Rizzo? Toi, tu le sais ou pas? Qu'est-ce qu'on a? L'intégrale du spectacle d'Arthur. Oh putain, vous l'avez passé? Une souffrance. Non. Je me suis dit, ça va être très très dur à passer. Xari était vraiment pas bien. Bah, de toute façon, il a fait deux malaises. mais non, vraiment, on a eu la sécurité civile qui était là. Oui, non, vraiment, il était vraiment pas bien. Mais pendant le React. Pourquoi tu m'as pas? Non, mais sérieusement? Mais je te jure que c'est vrai. Hein. Mais en émission? En émission. Première vanne d'Arthur. Putain, j'y crois en plus. Vraiment, à chaque fois, je. Mais tu me fais chier, putain. Je suis bon. Non, là, j'ai quelque chose. T'es au-dessus des yeux. Des yeux, pardon. Des yeux. J'ai des sourcils. J'ai tout autour du. Non, par contre, Arthur, attention. Hein. Moi, je veux bien plaisanter à venir remplacer, mais pas de ça chez nous. Mec, Arthur, c'est comme est-il. Et justement, on s'est dit, c'est tellement difficile que pourquoi on l'intégrerait pas avec une espèce de petit fil rouge, un petit truc sympa. On n'utilise pas les points de chaîne. Et j'ai dit humblement à Rizzo, je lui ai dit, écoute, est-ce qu'on pourrait pas trouver une manière que les gens puissent utiliser les points de chaîne pour nous infliger un supplice et en fonction du nombre de points de chaîne qu'ils vont utiliser, on devra en fil rouge en fin d'émission regarder une partie du spectacle d'Arthur. Et donc je crois qu'on a les paliers. Pardon, Rizzo, tu as fait ça tout à l'heure. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu les paliers que tu as fait ou pas? Oui, alors on a préparé les paliers. Donc on a 10 secondes d'Arthur pour 100 000 streamflouz, 1 minute d'Arthur pour 500 000 et 3 minutes pour 1 million. Voilà. Donc, on va activer ça tout de suite.
On va activer ça tout de suite. Il génial. A très bien résumé. C'est lancé. Les gens qui veulent utiliser leur monnaie, c'est activé. Et vous pouvez donc fin, l'utiliser, évidemment. Et à la fin, à la toute fin de l'émission, c'est avant de partir, on va faire le compte et on va dire, OK, bah, peut-être qu'on va se taper genre 13 minutes d'Arthur. Et crois-moi que c'est dur. Ah c'est bah, très très difficile. Moi j'ai vu une partie. Hein, du et on reprendra là où on s'est laissé la dernière fois. On s'est laissé au moment des jeans et tout. C'est catastrophique. Hein. Il parle de sa femme. Ouais. Bon, de toute façon, il parle que de sa femme, je crois. Elle est où la boîte. Attention, par contre, Arthur. Ça va être très dur. Grande carrière. Juste deux trucs déjà. C'est oh, pardon, j'avais. Qu'est-ce qu'il y avait. Je pense que j'avais. C'est quoi. J'avais sous-estimé le fait que les gens. Putain la vache. Oh putain, mon dieu. Attends, non, mais attends, oh, Rizzo, Rizzo, c'est normal ça. On est déjà à plus de 10 minutes d'Arthur. Oh là ma gueule. Non mais on va diviser par 10. Bon, 10 minutes et ça c'est que les requêtes de 10 secondes hein, donc on est à 10 minutes plus 7 minutes plus 15 minutes. Donc non, on est déjà à 27 minutes. Minute. Ah, ça, ta requête. On finit bien 22h30. Oh, je sais plus si on je sais pas à quel moment on finira mais on finira. Donc juste Arthur Grand. Non. Au-delà de ça, carrière. Producteur de fou. Producteur de fou et tout. Et puis juste ce système-là de mis en place par Rizzo, encore une fois, prodigieux, je tiens à dire. Ah oui, vraiment. Je pense que Rizzo, on mettra peut-être une limite à 10 minutes. Parce que... Ouais, c'est non, ça. Non, c'est ouais. Ça, non, mais j'ai dit à Rizzo, tu penses que c'est combien et tout. Et je pensais pas qu'il y avait autant de gens qui avaient 100 000. Moi, je pensais que. C'est Xari, il va arriver top corner. C'est une connerie. Ouais, non, stop the count. Wow, ouais, eh bien, bien joué à tous. Les gens sont riches, donc le spectacle ne fera que monter. Je te propose de commencer tout de suite. Écoute. On a un petit peu de tout. On a du confession intime. Alors, j'ai du mal à voir ici. J'ai une petite vue, je suis au bout du rouleau. J'ai une petite vue. Voilà. Attends, j'ai tout. T'as tout. Bah, les confessions intimes, il n'y a que le temps. Y a, c'est les mêmes. Ouais, il n'y a que. Premier rendez-vous. Premier en rendez-vous. Fait, voilà, on va commencer, je pense, par le resto, le premier rendez-vous. Tu connais cette émission ou pas? C'est laquelle? C'est genre pas le blind date, mais genre, ils se retrouvent tous les deux au restaurant. Ils sont au restaurant, et en fait, c'est deux personnes qui ne se connaissent pas, ils vont essayer de se date, etc. Premier rendez-vous. Un premier rendez-vous. Attends, mais alors, il y a eu plusieurs formats de ce truc-là. C'est une dinguerie, tu vas voir. Ouais, ma gueule. Ça, tu l'as vu ou pas? Oh, ma gueule. Moi, je ne connaissais pas l'émission. On en a regardé un avec Xari hier. La semaine dernière, pardon, on a eu le mec en haut à droite qui est passé. Tu sens un magicien. Enfin, il y a eu des petites dingueries. Il se date. Je te laisse, franchement. Je laisse l'intro. Tu verras. On peut choisir, on peut choisir avec qui on va. Non, d'accord. Et du coup, ouais. Bah, très bien. Allons-y. Bien, super. Après, on connaît le logo, le cœur, ça me dit quelque chose, mais après, je suis pas sûr. On sort, c'est ton cœur, basique. Non, mais. Un cœur, une forme de cœur avec du rouge. Tu m'as compris, quoi. On y va. Intéressant, non mais toujours sensible. Ça j'ai une personnalité avant tout, je ne suis pas qu'un stripteaser. Oh, ça va me régaler. Oh putain, quelle belle vision. Premier rendez-vous. Jackpot. Bienvenue dans notre restaurant. Bonsoir. Il arrive dans un resto. Un restaurant un peu différent. Ils apprennent à se connaître. Bonjour. Petit regard charmé. Pouvez-vous me charmer votre prénom? David. Les premiers rendez-vous, c'est quand même le meilleur. C'est incroyable. Tu as fait des premiers rendez-vous en resto comme ça? Genre, on se retrouve là, t'avais jamais vu la personne, ni d'Alan ni d'Eve, et tu te retrouves directement en resto? Pas un premier rendez-vous, mais dîner en mode ami, mais avec une idée de flirt. Derrière, et c'est le meilleur truc parce que tu sais, plus, y a plus de... personne n'ose, tu sais, c'est comme League of Legends, t'avances, tu recules, tu sais pas, tu kites. Du coup, tu jungles. T'attaques direct. Bon, alors, c'est vrai, la fois que je rentre pas, je les smite quoi. La mid lane. Enfin, excellent. Moi, j'avoue que reste. Ouais, ouais. Non, jamais, jamais. Non, jamais. En mode comme ça et tout. Avec... Non, mais j'ai jamais mangé au resto, moi, personnellement. Tu vois ce que c'est, donc, tout le temps chez moi. Non, mais ouais, jamais de date en restaurant. Quoi. C'était un peu. Ouais, c'est bien, c'est un bon cadre. Ouais, en vrai, oui, c'est bien. C'est super cadre. En fait, pour tout te dire, je suis pas hyper en forme, je suis très malade. C'est vrai. Ouais. C'est rassurant. J'ai le Covid. Je suis mort. J'en ai pas à moi. Je dois te le dire, j'ai la chope pisse. J'allais te dire, j'ai la chiasse. J'ai la chope pisse. Tout belle. Oh, ça me tue. Non, je suis. Excusez-moi de vous interrompre. Si vous partir. Vous avez fini, terminé. Ça sera un autre. Ouais, en fait. Grand... Pardon, excuse-moi. C'est fini déjà. Ça va vite en fait. S'il arrive. C'est Wolverine. Skyheart, gros. Skyheart, mais. On est vraiment atteint si on remet parce que là. Romper. Il est fabuleux. Salut, mec. C'est un mélange de Skyheart, Manuel Ferrara. Il y a toutes les têtes, regarde, deux petites boucles d'oreilles, la mâchoire carrée, il a bouffé un cube de Minecraft. Enfin, il y a tout. Ferrara. Alors, mais c'est Skyheart Ferrara. On me dit, tu as un gros pénis ça, au cinéma. Tu le fais très très bien. Non, je le m'améliore. Je le bosse. Tu le bosses en ce moment? Mais il est dur. Oh bah oui. Non, jamais. Ça, il est dur. Ça, mon cher. Mais oui, en fait, tu as plusieurs couples. Ah, en fait. Donc ça va switcher. En c'est pas un qui finit. Ouais, voilà. Okay. Au moins, c'est bien. Ça te permet de. Oui, ça, c'est pas redondant. Okay. Oh là. Oh là. Oh là. Ah, j'ai chaud. J'ai chaud. Je vais pas. Attends, mais t'as pas le droit. Si, t'as le droit. Latifa, oh là, mamacita. Latifa Marie. Oh.
Ça demande à l'heure. Non, mais parce que d'habitude, on est en mode, voilà. Ça, c'est quelque chose qui vous fait fuir. Ça mange ou ça mange pas? Moi, j'aime pas trop les abdos trop dessinés. Ah ouais, ouais. C'est non. Il y a beaucoup de femmes comme ça qui sont en mode j'aime bon, pas trop les mecs bodybuildés. Il y en a qui aiment bien quand il y a des, tu sais, par exemple, comment il s'appelle, Javier Bardem. Beaucoup de femmes aimaient parce que tu sais, il avait ce côté un petit peu, pas la brioche, mais tu vois, ce côté un peu rassurant, tu vois ce que je veux dire. Pas la Madeleine de Proust. Ok. Et non, toi, Latif, pas trop ton style. Latif est parti là. Non, ça m'intéresse pas. Oh, mais arrête, ça c'est la téloche, tu vois. Et toi, Rizzo? Non, mais c'était pour toi, je veux dire, encore comme ça, ça t'intéresse? De build, ah, de build a... des abdos bien, comme mais ça. J'ai jamais enlevé mon t-shirt, mais. Oh, j'adore! Oh, il est bon, il est comme ça. C'est vrai que la vache, la dernière fois, j'ai cru qu'il avait un t-shirt en bois tellement il était dur, le mec. Il est dur, ouais. Il est monstrueux, il est monstrueux. Non, mais après, il est. Ouais, il est bien, il est bien. Il est ok, il est... ça a l'air d'être son métier. Il est stripteaser, le gars. Après, stripteaser, il a pas le choix. Magic Mike. Stripteaser, performeur, cracheur de feu. Ça va exploser. Du coup, je peux vous demander votre prénom, s'il vous plaît? Mounia. Vous demandez vos habits. Ah, bah si, je vous demandais de votre nu. Oh, les gambettes. Les gambettes. Le caméraman qui attendez, les gambettes. Thierry, filmez-moi le talon. Oui. Il a piqué la chemise à Clark Quintal. Non, sans aucun doute. Bonsoir. Alors, on va voir le match. Oh, il a des mal, là. Il sent très bon, il a une jolie peau, un joli teint. Il sent pas la merde. Il sent la merde, il est franchement beau gars, quoi. Oh, le poids positif dramatique. Il sent très bon. J'arrive, il fait pas la merde. Tu vois, t'as l'autre exigeante, elle. Oh, bah, il sent bon, il respire, il parle. Type d'homme vivant. Voilà, franchement, j'aime bien, j'aime beaucoup. Sympa, franchement, bien. Bête, bête, bête. Bête, 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 bête. C'est pas les personnes. Pas dans la vie. Alors, moi, j'aime pas trop. Moi, je travaille dans l'événementiel. Ok. Oh putain. Allez, 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 on dirait moi quand on demande. Oh, Dinus, t'as fait une chronique? Bah ouais. Eh mec, je la connais celle-là. Tu fais quoi dans la vie? Ouais, l'événementiel. L'événementiel. C'est-à-dire? Ah, tu vois tous les événements. Tu vois, je suis producteur. Producteur, réalisateur. Je réalise mes propres cascades. Oh, je suis très dans l'événementiel. Oh, l'événementiel. Comment emmener le truc incroyablement? Oh, il est bon. Oh, il est incroyable. Bah, il sait qu'au bout d'un moment, il va devoir se dessiner, quoi. Ouais, donc, ça, c'est le pire truc parce que tu m'enfonces. En fait, tu commences dès le début après dire une dinguerie. Après, mec, oh, c'est. Moi, je pense que. Bah, tu on peut faire des pronos d'ailleurs. Ouais. Est-ce que tu penses qu'à la fin ils repartent? Parce qu'à la fin ils disent est-ce qu'ils vont se revoir? Ah, ils peuvent dire si. Voilà, okay. S'ils ne se revoient pas ou s'ils se revoient. Après, s'ils se revoient vraiment, on ne sait pas. Mais bref, moi je pense que déjà comme ça part, je suis pas sûr que les deux se revoient. Bah, tu sais quoi? Je pense que ça va commencer mal. Finalement, j'allais dire. Non, ça va matcher. Tu penses ça va matcher? Non, ça va y aller. Ils vont finir ensemble. Enfin, il y aura un... ça va matcher à la fin, quoi. Oh, c'est non. Le coït. Je ne sais pas. Franchement, moi j'y crois moins. Par contre, le premier couple, je pense qu'il y a moyen. Le premier avec le premier. Ah, le. Il y avait un jeu de regard et tout, il y avait quelque chose. Ouais. C'est pas la chose que j'aime mettre en avant assez rapidement. D'accord. Donc je suis cracheur de feu, performeur, stripteaser. Ok. Je me sers de. Il est excellent. Expérimenté. Je suis avant tout cracheur de feu. Performer et... stripteaser. Non, je suis. C'est ça. Non, non. Voilà, c'est ça. Mais vraiment, il a dit en dernier recours. Hey, mais je comprends. Attends, pas. On va pas parler de moi. Attends. J'aime pas mettre. J'ai pas. C'est je suis cracheur de feu avant tout. Tu me vois, mais en performe. Je suis. Mais oui, c'est ce que j'aime. Hein. Stripteaser crachant du feu. Et en performe. C'est la technique. Sur les femmes, sur les filles, elle crache feu. Ah non, attends, bon, il est fabuleux. Il est excellent. Cracheur de feu. Mais d'où cracheur de feu? Incroyable. Oh, je sais. Il a pas dit où. Non, mais. Ça, vraiment pour gagner ma vie. Je prends ce bain parce que j'aime pas trop ce bain-là. Je suis un peu chiante. J'aime bien les femmes attachantes. Une femme oh non, qui... non, 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 non. T'as entendu le mot qu'il a utilisé? Il aime bien les femmes un peu chiantes. Attachantes, il a dit. Attachantes. Chiantes. Il a dit ça? Je crois qu'il a dit ça. J'aime bien les femmes attachantes. C'est vrai qu'une. Donc, monsieur n'est pas humoriste. Il mérite de produire aucun film. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Je pense que. Je me suis occupé de ça. Ouais, je pense qu'il produit. Non, le mot attachante. Plutôt célibatante. Célibatante. Qui se laisse pas marcher dessus, qui a du caractère, c'est tout de suite. Alors, moi, je suis pas très sportive à la base. Mmh. Non, en fait, je déteste le sport. Est-ce un verre d'eau? Je fais bon. Pas d'argument. J'aime le sport, j'y vais 3-4 fois. Je suis pas très sportive. Je déteste. Ouais. Moi, la paix par pitié. Elle a un petit côté maladroite que j'aime bien. Touchante, si je peux dire. Plutôt attachante, je dirais. Mais t'en penses quoi, là, pour l'instant? De leur couple? Ouais, eux deux.
Écoute, j'ai l'impression qu'elle est plus... Il dit qu'il aime bien son côté attaché, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'elle... Elle est plus accro elle que lui. Enfin, tu vois, elle est plus dedans elle que lui. Il a plus de retenue. Ouais, ouais. Pour l'instant, il a plus de retenue. Alors que les deux, tu vois, la glace se brise un peu, le stripteaser et la coach. Ouais. Mounia, qu'est-ce que c'est ? Mounia. Je pense que ça peut suivre en finale. Franchement, elle est assez pétillante, c'est une fille que j'aime bien. Elle est pétillante, elle fait pas de sport, elle se mouche, elle est malade. Donc, ils sont trop drôles. Et alors, qu'est-ce qu'on pense ? Elle a dit, ils sont trop drôles. Elle entend rien, la fille. La fille, c'est Wolverine ou quoi ? Mec, t'entends une taffe qui est à 15 mètres, franchement. Non, mais elle a dit ça. Non, mais ils sont trop drôles. Ils sont trop drôles. Là, je me tape le cul par terre. Alors, vraiment, c'est hallucinant. Pas pité un mot depuis le début. Hein. Parce qu'ils ont vraiment cette complicité enfantine ensemble. Ils sont vraiment rigolos. Ouais, il y a un truc, il y a un feeling, ouais, il y a un feeling. Oh, quelle belle émission. Tes jolis yeux. Ouais. Oh, je pense que je lui plais. J'ai notifié deux compliments. Deux très beaux compliments. Deux compliments. Fort Boyard. Deux clés. Après, tu vois, t'as pas besoin d'être stripteaseur pour tromper. Tu peux être plombier, tu peux être banquier, tu peux être n'importe quoi. Un mec qui veut faire de la merde. Ah, faux. Ça, c'est un très bon argument. Je suis d'accord. Je me dis que c'est un très bon. Il a complètement raison. Ah, il est très bon. De laisser passer. Ou Baratina. Il a du beau ce discours. Hein, il a érodé. Érodé le mec. A priori. Qu'est-ce que vous cherchez chez une femme ? Qu'est-ce que c'est la cuisine, tout ça ? Non, je rigole. Ah oui, alors la cuisine, c'est pas bon. Parce que la dernière fois. Oh, le vanneur fou ! Il est de retour ! Il est là, le stand-up new-yorkais ! La place de la femme ! À la cuisine ! Je plaisante ! Non ! Il a tenté ! Non, mais bien sûr, je plaisante. Il a tenté, mais. Il a tenté. Mais il s'est dit, quand même. Il a vite retourné. Il a tenté. La femme à la cuisine, je plaisante. Oh, mais je suis vite. Il a vu. Le sourire n'était pas là. Il attaque. Non, mais il attaque directement au foie. Non, il a tenté il attaque la place au foie. Il va être à l'écoute. Ah, vraiment. Okay. Mais on va voir ce qu'elle répond à ça. C'est pas mon foie, hein, parce que la dernière fois que j'ai invité du monde, j'ai fait des pommes de terre, elles étaient congelées. Ah, bah d'accord, ok. Parce qu'il faut allumer le four. Ah, d'accord. Oui, putain, c'est les gendarmes. Eh, il est fou. Au bout du deuxième rendez-vous, je choisirai les noms des enfants qu'on pourrait avoir. On verra, on établira une date de mariage aussi. Fais pas ce soir. Oh là là. Alors là, il a pris les devants. Ouais, mais elle a dit pourquoi on fait pas ce soir. Donc elle a contre. Elle a repris les devants. Elle attaque directement. Au foie, au teco. Je pense que moi, les deux là, ça finit, c'est une dinguerie. Je pense. Ça part en couille. Les deux finissent avec les deux autres. C'est en fait. Et les deux d'après. False. Ouais, non, t'as raison. C'est qu'ils font imaginer leur mariage. Une nana qui te dit non, c'est qu'elle est lesbienne. Alors, cousine. Ils ont pas le droit de se marier, lesbienne. Déjà, on est où ? Déjà, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Pète un plomb. Non, mais il dit toutes les meufs ont imaginé une fois leur mariage. Vous savez, voilà, mais par contre, c'est. Oui, non. Pété un plomb. Quoi ? Par contre, est-ce qu'on a des femmes autour qui ont déjà imaginé leur mariage ? Parce qu'elle dit que toutes les femmes ont imaginé leur mariage. La régie ? Déjà, on est en régie et puis dans le chat, on a aussi des dames qui nous regardent. On a des dames qu'on embrasse évidemment, mais. Je voulais juste savoir. Dans cette cave. Regardez, elle rigole, elle s'en va. Dans cette cave. Ouh, j'ai déjà la birine. Dis donc. Qui c'est qui a imaginé son mariage? Moi, perso, ouais. Ah ouais? Mais de façon différente, tu vois. Enfin, à chaque jour, tu peux penser à un nouveau petit truc que tu rajoutes, mais ouais. Avec qui? C'était un sans visage. C'était un sans visage. Et toi, Latifa, t'as déjà imaginé ton mariage ou t'es en mode Osef du mariage? Si, j'ai déjà imaginé. J'ai déjà programmé, j'ai des invités et tout. Non, je rigole. Ah ouais? On fera un réac. J'espère qu'on en sera. Et la Tifa, t'as vu cette robe? Bah, puis elle a fait n'importe quoi sur la robe. Franchement, c'est. Non, j'ai toujours pas la date, mais c'est bon. T'inquiète, vous êtes invité. Bah, ça, du coup, pour les femmes, ok. Mais Rizzo, est-ce que tu t'es. Tu es pour ou contre le mariage, Rizzo? Rizzo, c'est tout. Me permets une petite question simple, pour ou contre le racisme? Oui, le racisme, le mariage, non. Non, mais est-ce que toi, tu t'aimerais te marier, Rizzo? T'as déjà imaginé ton mariage ou pas du tout? Non, pas du tout. En conviction, en tout cas. Conviction. Rizzo, en fait, entrer la cuisine. Vraiment, j'y ai jamais réfléchi. Non. Ok, non, mais je pense que c'est plus peut-être un truc de meuf aussi. J'ai l'impression. C'est peut-être plus les femmes. Toi, t'avais imaginé ton mariage? Moi, non. Je vais être honnête, moi, avant que je me marie, j'avais pas imaginé. C'est toi qui as fait ta. T'es foutu. Ah ouais, c'est. T'as mis ta bague là, comme moi. Combien? Hein? 7 ans bientôt. Ça fera 7 ans bientôt? En juin, 7 ans. Attends, 7 ans. Non, 7 ans que tu la connais ou 7 ans de mariage? 7 ans de mariage. Ah, tu sais ce qu'on dit? Ça fera 12 ans en février qu'on en sait. De mariage?
Mais non, 2 ans de Pâques, c'était... C'est ce qu'on dit, hein, 7 ans de mariage, et même un film dessus avec Didier Bourdon. 7 ans de mariage, c'est l'épreuve ultime. Ah bon ? Si tu passes les 7 ans, t'es bien, t'es tranquille. Et quoi, quand t'es tranquille jusqu'au 8 ans. 100 mètres et... C'est... Le javelot. C'est des preuves de mariage pour rien avoir. Lancer. Non, c'est 7 ans. C'est, okay. C'est 3, 7, 10. Moi, je pense qu'en vrai, on est injouable. Hein. On peut plus... Je pense que vous êtes très bon. Ah, en gros. C'est très bon. On est vraiment jouable. Toi, combien de mariages ? Moi, Là. Combien de temps ? Et à la maison, j'ai le. je suis attaché. Ça n'a rien à voir. Marié en 2017. Donc, ça va faire 5 ans en 22. Et ouais. En quel mois ? Fin juillet et début août. Fin juillet, début. Non, parce qu'on on a fait le mariage civil et le mariage, tu sais, en Angleterre. Ah, tu t'es marié en Angleterre ? Pourquoi en Angleterre ? En Angleterre, c'est ma femme, elle rêvait de faire un mariage à l'anglaise. Oui, mais ça compte pas, ça, c'est, on parle de mariage civil. Ah non, c'est le civil, le Valois. Moi, c'est 20 juin 2015, très exactement. 20 juin 2015. À la mairie de Soal, monsieur. De Soal ? Exactement. Au Croquant, ah ouais. Ouais, oui, bah du coup, voilà, je vous le dis. Et ta demande, comment tu l'as fait ? Hein ? Montre-moi un peu ce que t'as dans le bide ? Ah, je peux pas dire, moi. Non. Le McDo, le burger, la bague. Oh, la fève. J'ai entendu qu'ils font tout. T'as attendu une heure comme ça. Non, oh, c'est une bague. Nous, en vrai, il n'y a pas eu de demande particulière. Et quoi, genre, ça s'est fait, genre, ouais, tu passes le sel et on se marie. Viens, ah, toi, là. Attends, je l'appelle pas, je l'assiste. Le mec horrible. Le bof de France. Tu viens là. Suis-moi. Tu te maries ou quoi? Tu veux qu'on se marie? T'as refait la tête. Non, le coucou. Est-ce que tu... Ça me flingue. Non, mais j'ai dit, ouais, ça te dit, on se marie, là ? Ah, à l'américaine. À l'ancienne. C'est très bon. Non, mais en vrai, on n'a pas eu de truc particulier. Je lui ai dit, ouais, okay. Tu veux qu'on se marie ? Elle m'a dit, ouais, vas-y, on se marie. Non, mais vous êtes cool. Les larmes et tout. C'est vrai ? Ah ouais. Ah, putain, c'est beau. Ouais, et après, j'ai lancé une petite game de LOL. T'étais sur LOL, on se marie, ouais. tu mets scène de ménage sur M6. Ouais, des trucs comme ça, mais en fait nous ça a été genre j'avoue c'était naze, j'ai juste dit veux-tu m'épouser, elle m'a dit oui, j'étais en mode ok. Donc voilà, il y a pas eu on de passe teint. À la suite. Non, franchement, ouais, ça, est-ce qu'il y a eu après la proposition sous l'euphorie et l'adrénaline de la demande va au bout de cette phrase et l'émotion, le romantisme au bout de cette phrase, est-ce qu'il y a eu... Vous êtes parti faire des frites. C'était pendant. C'était la chandeleur. Et juste après, en mode. Si on se mariait. Tu veux te marier ? Oui. Et toi ? Moi, t'as fait une demande particulière ? J'ai fait une demande. Hannibal Lecter. Elle est rentrée. J'ai mis une petite photo sur l'écran de télé avec des chats. Des chats qui étaient dans une salle de cinéma. C'est quoi, tu ris ? Si, c'est vrai, c'est vrai. J'ai une petite photo. J'ai cru que t'allais dire une dinguerie. Quoi ? J'ai mis une photo de moi. Et j'ai mis l'alliance. Un anneau pour les gouverner tous. Non, mon précieux ! Une photo de chat dans un coin qui, dans un cinéma qui se mariait, tu sais, qui proposait un truc comme ça, un truc un peu mignon, tu vois. Et j'ai sorti une boîte. Comme ça et tout. Et j'ai dit mon chat, ce que j'appelle mon chat. J'ai fait dans la gueule. Veux-tu m'épouser ? Mais dans la boîte, il n'y avait rien. Que j'ai dit, tu choisiras toi-même ton alliance. Oh, c'est beau. Hein ? Du coup, elle a jamais choisi. Et c'est comme ça. Et après, et elle t'a dit oui ? Elle t'es le mec qui comprend. Du coup, elle t'a dit oui, parce que je comprends plus. D'accord. Donc, voilà, l'alliance et tout. Et puis. Attends, tu peux nous la refaire là ? Parce que moi, je suis pas sûr d'avoir. Elle est rentrée, elle a ouvert la porte. Tu me dis si je me trompe. J'ai préparé un moment. Tu me dis si je me trompe. Non, mais tu te trompes pas. J'ouvre la porte. Tu te trompes. C'est ta femme. Je suis ta femme. Ouais. Bon, j'ai un peu plus de cheveux, mais c'est le mec qui comprend. J'arrive et. What the fuck, Norman Genius ? C'est une photo de chat. Non, mais c'est une photo de chat qui se marie sur la télé. Non, mais tu le racontes. Et là, t'as fait OK, Google. Non, mais moi, somebody's out of love to do my life again. Tu le racontes mal. Désolé, je suis pas tout détonnant en aboutissant. Et là, elle s'est tournée vers toi et t'as fait. Il y avait rien. Non, mais attends, mais tu le racontes mal. Non, déjà, dîner romantique. Ah, il y a eu dîner. Bah, j'ai préparé un dîner. Du boulot, ah ça. Non, oh. Hey, plein de cul de cette journée. Non, t'as la photo des chats, dîner romantique, incroyable. Je suis habillé, queue de pitch, truc de détente et tout, magnifique et tout. Surprise. En plus, à l'époque, on avait un petit balcon, tu vois. Okay. Donc, tu vois, c'était franchement, c'était belle lumière, c'est belles étoiles et tout. Ouais. Je lui mets la photo à l'écran. Tu vas me dire, oh, qu'est-ce que c'est et tout. Et j'arrive pas à imaginer. En fait, t'es en train de manger et là, il y a une télé là. Avant de manger, on avait la télé devant l'écran. Ah, voilà. Quoi, devant l'écran. On a la télé, on a la table et devant et on regarde, on a la télé devant nous. Ah pardon. Putain, oui, c'est ça. Devant l'écran. Ah oui, voilà, c'est ça. Excuse-moi. Et du coup, je lance une petite musique un petit peu romantique.
Et quoi, non, je mets Jazz FM, je me rappelle, je mets Jazz FM. Jazz FM. Ouais. Jazz, attends, c'est pas Jazz FM, c'est TSF Jazz, pardon. Le classique. Et après, je mets un truc un peu plus romantique, je sais même plus ce que c'est. Et je dis, bah, elle regarde ça, elle fait, oh, qu'est-ce que c'est? Elle commence à comprendre, je sors la boîte. Émotion. Voilà. Elle pleure? Elle a pleuré? Deux fois, quand elle va se faire, et quand elle a ouvert la boîte, elle va. Abattu. Et tu dis, bah, on ira demain chercher ton alliance et tout. Et puis. Et le lendemain, le manège à bijoux Leclerc. Restaurant chinois, le crackers, le chips dedans. Voilà. Oh gros, je te. Oh non, ça donne, ça donne. L'histoire était infinissable, le jour sans fin, mais tu m'as fait mais non, mais tu racontes mal, c'est pardon, toi. Pardon. Non, excellent. Du coup, tu peux nous raconter comment tu l'as demandé. Par contre, moi avant, après, pas de cadeau supplémentaire, quoi, c'est comme toi. Mais bon. C'est la vie. C'est la vie qu'on a choisi. C'est la vie qu'on a choisi. Très bien. Très beau. Mais c'était une belle anecdote. Ça m'a. Bah ça écoute, c'est bon. Ouais, c'est bien. En fait, tu sais, Dino, je vais te dire ça très sérieusement. J'ai l'impression qu'on se confie pendant ce react. On raconte des petits bouts de vie. Mais c'est vrai. Les gens nous découvrent ici. Mais de rien, on se voit que le mardi. Et on se parle pas souvent. On se voit même jamais. Bah non, mais à part le mardi. Et. On déteste en vrai. À part l'écran. On ne se supporte pas. À part l'écran. Et t'es quelqu'un que j'aime beaucoup. Je le dis tout de suite. Je le dis pas pour les gens. Pour les 8300 viewers. Je ne dis pas pour les 800 viewers. Merci pour le sub. Et tous les subs sur ma chaîne, je ne dis pas pour ça. Non, et je suis content que le mardi, on soit ça. Oui, on a des petites bribes de vie. Ah bah, ça me régale. Et puis, depuis que je suis venu chez toi, il y a quelque chose qui s'est passé. Oui, j'ai un canapé. J'allais dire, t'as un canapé. Un canapé qui est mort. Tu, non, mais il y a Doming aussi. Ah, arrête un peu là. C'est, tu commences sur les vedettes, les hommes longs. Reprenons. On s'adore. Moi, j'avais dit, il se revoit. J'avais dit, ah, attends, ouais, voilà, là, franchement, s'il se revoit pas, Chris Marquez. Chris Marquez, c'est. Et Fofoto. Fofoto. Quatrième patchet. Marion, j'ai passé un bon moment avec toi et ça me ferait plaisir de pouvoir se revoir. Ok, bah, moi aussi, ça me ferait plaisir qu'on se revoie. J'ai trouvé que c'était un petit peu court ce dîner. Et donc, je serais content qu'on fasse un deuxième rendez-vous. Tu vois? Je suis rouge écarlate, non? C'est moi qui suis timide. Non, la vache. J'adore cette. Fais attention à elle, que c'est une jolie fille, mais j'ai atteint de la découvrir de plus près. Oh, c'est bien, pas que le physique. Hop, allez, bon, 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 bon. Sixième, bien, c'est ma sixième. C'est ma sixième. Je vous souhaite une bonne soirée. Il est bourré, le mec. Ok, bonsoir. Quoi, t'appelles? Eh, salope. Mélodie. Enchantée. Mélodie du bonheur. Mélodie du bonheur. Quand on m'emmène vers lui, je suis super contente. Jackpot. T'as pris quoi? J'ai pris physique, sous cocktail, cette spécialité. Le chat demande l'avis de Rizzo. Rizzo, Latif et. Quoi? Non, mais ah sur, oui. Sur le mec là, parce que c'est vrai qu'on va essayer des nouveaux. Alors moi je sais, pertinemment. C'est quoi le mot? Pertinemment. Pertinemment, oui. Ça c'est le style de Marie. Marie ah ouais. Latif. Peut-être pas les muscles. Il est normal. Ouais, ah, Marie. Ouais, j'aime bien. Ah, tu vois, ah, Marie. Je le savais, et c'est son style. Je sais. Latif, un peu plus ton style Latif. Ou pas Latif. Je sais pas, il y a un truc qui ne va pas sur son visage. Non. Oh, Latif, dis donc. Latif, elle est dure. Très dure, là, quand même. Parce que disons, Latif est... Non, mais parce qu'elle est très exigeante, Latif. Ouais, mais là, quand même, bon. C'est. Caviar en lit, c'est ça. Et je vous ai mis dans le lounge. Ah oui, j'ai vu. Oh, merci. Oh, excellent, ça, putain. Et attends, c'est le Creative Space. Putain, Creative. Non, mais c'est excellent, Rizzo, tu me rigoles. Fond vert, hein. Non. Si vous voulez voyager, vous me dites, hein, moi, je vous téléporte. Et c'est tu pourrais nous mettre. Morpheus. Tu sais où ce que j'aimerais être? Dis-moi, tu veux aller. Au-dessus du Sphinx en Égypte. Sur la teuté, là? Ouais. Le nez qui est cassé. Sur la teuté, moi. Sur la teuté, comme ça, et tu me mets du vent et je vais être décoiffé. Et le Sphinx, c'est. Il lui met du cheveu. Eh, tu sais quoi, Rizzo, je te laisse carte blanche, tu nous régales toute la soirée. Mais tu nous mets où le Sphinx, c'est avec le nez le cassé, là. Ouais, c'est le nez cassé, mais tu nous mets sur la tête comme ça. Putain, mais il peut faire ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut. C'est Néo, c'est Matrix. C'est un fond vert. Hein. Attends, bouge pas, je vais commander. Merci. S'il vous plaît, en. Merci, putain. Moteur, ce service, putain. Ah, on est putain, on est bien, mais Rizzo est là, si regarde, si les gens arrivent sur le stream, ils voient ça, ils peuvent. Bon, à part la couette, non, ça n'a rien à faire là, mais ils peuvent penser qu'on est dans un resto. J'ai dit le Sphinx en pensant à un film, c'était Jumper, et les gens l'ont dans le chat. Et ça me fait super plaisir. Putain, t'es fort comme gars. Jumper, parce que bah, moi j'ai kiffé ce film. Il est bien. J'ai kiffé ce film, c'est pas un grand film. Avec Gordon Levitt. Mais pas du tout, ce mec qui fait Anakin. Non, j'ai confondu avec Looper. Non, Jumper avec Samuel Jackson. Samuel Jackson, mec, il est très bon. Et d'ailleurs, qui est au doublage Donald, encore une fois. Donald Renew. Qui n'est pas dans l'acteur principal, mais bon. Mais qui double Samuel Jackson. Bien sûr. Mais c'est con, c'est. Ah non, bon, putain. Je suis dit, putain, mais de quoi. Donald. Oui, d'accord. Film, ok. Aussi. Bon, bref, enfin, voilà. Moi, j'avais mis Cléopâtre parce qu'il est de. C'est l'Astérix 2, ce qui est le Sphinx. Le Sphinx en mission Cléopâtre, Astérix et mission Cléopâtre, à un moment ils sont, tu sais, ils sont sur le Sphinx. C'est un mec qui s'appelle On.
Le pharaon. Tu connais tes classiques. Embrasse-moi tout de suite. Bon, ça me régale ça. Bon, mais c'est bon, je t'ai plus savoir. On a la vie féminin aussi. Tu viens d'où ? De Marseille. Moi aussi, tout à côté de Marseille. Mon type de femme, ça. Je suis contente. Eh, j'allais te poser la question. Tu peux faire pause ? Juste une minute. S'il te plaît. Merci. J'allais te poser la question. Ça te plairait, ce genre de dame ? Ce genre de dame ? J'ai posé la question en premier. Ah non. Ah non. Ce que j'ai pensé. C'est in my trap card. Oh, allez, dis-nous. Ça. Elle. Ça. Enfin, elle, oh. Oh non, le, respect, non, hein. Le titre de femme, ça. Non, elle. Bah, elle est jolie, oui. Elle est jolie. Bah, après, elle est jeune, mais elle est jolie, franchement. D'accord, c'est tout ce que je voulais savoir. Belle gonzesse. Alors, pour cette première, je vais t'inviter avec plaisir. Non, c'est moi qui voulais t'inviter. Donc, ça va me pousser, s'il y a une prochaine fois, à t'inviter alors. Exactement. Voilà. je la connais celle-là. Je la connais. C'est moi qui vais t'inviter. Tu sens que ça lui. Bon, il en mode. Il a dit oui. Les finances sont pas au beau fixe. Ah là, je me mets pas à poil souvent en ce moment. Voilà, si tu peux me permettre. Elle a dit d'accord et lui a fait. Très bien. Et oui. Faisons comme ça. Faisons ça. Après, tu peux aussi m'inviter. Hyper sport. Monia qui dit de suite je compte t'inviter. Ah oui, oui. Dame incroyable. Après, bravo, ça peut Monia. Être le bluff. Put some respect for Monia in the chat. Respect, Monia. Non, mais elle a l'air là. Monia. Oh le sphinx, terre brûlée. On nous attaque. Putain, c'est quelle langue là-bas? C'est quelle langue? C'est allemand. Ah putain, merci Rizon. Merci. En plus, là. T'es un bel homme. Tu me fais penser un peu le sphinx. Si on te met un petit truc là. C'est vrai, tu penses? Ouais, t'as un truc. Un profil. Tu vois, un peu le nez et tout, il y a quelque chose. Ah, tu crois le nez ? Mais le nez, comment il est tombé le nez ? Comment il est tombé le nez ? Ouais. On le sait, ça ? Bah, c'est Obélix. J'avais été idiot. Non, bon. Personne ne sait, en vrai, vraiment. Personne ne sait ? Non. Menro, peut-être. Bizarre, il m'a jamais invité. Ah, c'est très bon, très bon. T'as chez lui le nez. Non. Il cache le plus grand secret de l'humanité dans sa cave. Il a une chambre forte. Oh non. Oh la putain, mais c'est un homme en or, putain de merde. Non, les amis. Parce qu'il y a une chose que Menro n'a pas fait, quoi. Menro, il a tout fait. Hein. Quel âge il a ? Il a plus de 40 ans, Menro. Menro ? Ouais. Tu es malade ou quoi ? Tu es malade, frérot. Mais c'est la seule quoi. Il a 42 40... Non, mais il a pas 45. Attends, non, mais franchement, premier degré, parce que nous, à l'époque, à Eclipsia, il était avec nous. Eclipsia, et lors de la Révolution française, il avait été un déporté étendard, 1789. J'avais dit. Il est sorti avec Edith Piaf. Son ex. Mais non, moi, je pense qu'il a 42. Non, mais non, je crois qu'il a un tout petit peu plus de 40 ans. 41, 42. Ah non, mais plus de 40 ans, c'est sûr. Il est jeune. Il est jeune. Encore pas non plus. Ouais, non, mais par rapport à. C'est pas vieux, Menro. Hein. L'âme, il est avec. L'âme, parce que je compare toujours les deux. L'âme, il a 42. Oui, mais l'âme est un vampire. C'est très différent. C'est Ken Reeves, j'avoue. C'est, ah bah. Oui, c'est comme l'acteur joueur Peaky Blinders, là, Cillian Murphy. Cillian Murphy, il a 45 ans, frère. Je le regarde. Dinguerie. Frérot, on dirait qu'il a 17. Tu veux une dinguerie ? J'exagère, bien sûr, mais voilà. Alberi, 56 ans. Regarde la meuf. Mec, on dirait qu'elle a 25 ans. Mec. Ils sont immortels. C'est un dinguerie. Ils sont trop forts. Bah, GG à eux, de toute façon. Merci, hein, Rizzo, si tu veux choisir d'autres éléments du décor, tu te fais plaisir. Ça me tue. Hein. C'est très, très bon. Hein. Ça me tue. On vous l'a dit, React, c'est une mission évolutive. Mais ça step up de fou. Hein. Oui. Moi, franchement, je trouve qu'ils vont bien. Franchement, ils vont bien ensemble. Hein. Pourquoi pas ? J'ai l'impression qu'on se plaît à nous de faire connaissance tranquillement et de voir par la suite. Ah, elle repart. Ce qu'il en sera. Ça m'a saoulé un peu. Merci. En fait, faut pas avoir très faim, quoi. C'est. Voilà, ouais. L'année dernière. Oh non, non. J'ai reconnaître un mec qui tape dans le mille. Bah attends, il en mine dedans. Hein. Non, mais la couleur de rire, elle aussi. Il l'a mis dans sa poche à partir du moment où il m'a fait rire. Bon, mais. C'est ça pour effet. Bon. Il a pas fait beaucoup d'efforts. C'était un humour quand même léger. Ça c'est que elle est très bon public. Alors, je pense que le spectacle d'Arthur, elle l'a vu. Elle l'a vu. Mais 100 000 fois. Elle est sortie de la salle. J'ai rarement vu un si bon public. D'ailleurs, sur le spectacle d'Arthur, donc on a fermé les récompenses. On a fermé boutique. On a fermé boutique. Parce qu'on est quand même arrivé à 6h de live. Donc il y a eu 5 demandes de 3 minutes, donc ça fait 15 minutes. 10 demandes de 1 minute, donc ça fait 25 minutes. Et on a eu aussi 177 demandes de 10 secondes, ce qui équivaut à 30 minutes, donc 55 minutes d'Arthur. Ouais, le spectacle. Le spectacle dure 2 heures, donc on a encore de la marge. En vrai, on a fermé. On peut diviser par 10, ce qui fait 5 minutes.
Non mais parce qu'on a, on savait pas que les gens avaient autant d'argent. Si on avait su, on aurait Putain, remonté, on aurait fait, tu vois. Voilà. C'est l'argent des points. Ou c'est pas du vrai argent. Hey, c'est du vrai argent. Les gens ont payé. Là honnêtement, on lui a donné un demi-million. C'est le Zen Event. Le Zen Event pour Arthur. Le LS Event. On lève de l'argent, mais que pour Webedia. Hop, ah, Riboyer. Riboyer avec sa Porsche. Ah, il me régale. Oh putain. Oh. Tu... Qu'est-ce qu'on va faire 6 jours en mer? Eh ben, on s'est pas ennuyé du tout. Bon, c'est pour ça que je veux tester d'abord 2-3 jours. Je crois que tu vas le tester. J'ai peur de me faire chier. Non. Je sais pas. Hein, C'est une ville qui bouge, hein, une croisière. Littéralement. Ouais, c'est ça. En fait, t'as toujours des trucs à faire, quoi. Je sais pas. Je suis curieux. Jamais fait. Je sais pas. S'il fait beau, t'as la piscaille. T'as les escales, machin. Mais je sais pas. C'est pas le truc qui m'attire plus que ça, quoi. Ça ferait pas une tous ensemble le stream une croisière. Une croisière. La croisière s'amuse. Et Alex Masson nous filme. C'est long. Ouais, c'est pas mal. Attends, c'est beau. Et en plus, on a un acteur de fou là. Genre, je suis en vacances. Nous, Francis Huster. Non, mais je sais pas, je sais pas. Ouais, si jamais fait. Jamais un fait. Peu, vous avez déjà fait dans le chat une croisière? Toi, t'as pas fait du coup en régie quand t'as fait une croisière en jeu ou pas? Que Corsica Ferries pour traverser. Ah oui, non, non. Oui, moi aussi. Non, mais. Et bah, une fois, je suis monté sur un bateau mouche. Ouais, il a pris le bateau de croisière. Le mec. Bateau pneumatique gonflable, j'ai fait croisière. Il y a une péniche de Narbonne à Béziers. Le loup de mer. Non, la plus grosse croisière que j'ai fait, c'est pour aller en Angleterre, quoi, le ferry. Ouais, et j'étais malade comme un clé. Ah, t'as le mal de mer? J'ai mal de mer, mais quand je te dis mal de mer, c'est. Moi, je suis malade dans les transports. Le bateau, c'est non niette. Ah ouais, d'accord, ok. J'ai fait ça. Et quand on était en Italie, là, pendant les vacances d'été avec June, on est allé à Ischia, ouais. Qui est une île, voilà, tu vois, il y a Capri, Ischia, machin. Ouais. On est à l'aller, l'erreur fatale. Après, je me suis mis là où il y avait de la place, tout en bas. Devant, donc là où il y a le plus de vagues, faisait ça. Malgré les médocs, j'étais mais malade comme un chat. C'est horrible. Une croisière, techniquement, tu le sens pas, vu que c'est tellement gros que tu sens. Et le, ça bougeait? Ça bougeait comment ou pas du tout? Là où j'étais là, ouais. Ah oui, ça bougeait, ça fait. Ah oui, c'est ça, ouais. Non, c'était catastrophique. Mais si c'est genre. Ah mais si ça ne bouge pas, non, ça va, ouais. Tu le sens pas. Après, au retour, j'étais en haut, au milieu, tu sens pas les vagues. Du coup, j'étais pas. Ouais, il faut être. C'était c'est parfait, ça. Ouais, mais vraiment, le mal de mer, c'est horrible. Ouais, Capri, c'est fini. En tout cas, si vous voulez partir en croisière avec moi. On va pas se revoir. Moi, je serai pour. Ok. Moi, de mon côté, j'ai passé un agréable moment, mais j'ai du mal à me projeter en couple, aller au-delà. Ouais. D'accord. Oh, c'est moche, la pauvre. Oh, il s'en va en plus comme ça, il s'en bat les couilles. Même pas, il lui fait la bise, c'est dramatique ce qui vient de se passer. Oh, ça, c'est. Regarde, l'arrêt sur image, il veut tout dire. Oh, l'arrêt sur. Voilà. Oh, putain. Il me fait mal au cœur. Attends, allez. Elle a le cœur brisé. Regarde. Mais attends, je suis là. Ah non, c'est pas. Ah non, on voit rien, putain, merde. Oh la vache, il lui a laissé aucune chance. Non. Bah, j'ai rien fait. Tu peux nous rafficher. Je peux le faire. Putain. Ah, ça fait mal au cœur. C'est un peu. Ouais, mais c'est vrai, c'est un peu. Après, en même temps, il peut pas aller au-delà, il peut pas aller contre ses sentiments, tu vois ce que je veux dire. J'ai trouvé assez froid. Oh putain! Oh le montage! Tu veux m'épouser alors finalement? Ah, c'est un peu tôt, mais on peut se revoir par contre. Ah, oui. Ouais, ils sont marrants, ils sont bien. Oh. Ah putain, j'ai cru. Tu connais pas le coup du bisou? Tu connais pas celui-là? Ah. Oh! Où est-il où le boss? Où est-il où le boss? Le béco, 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 la boue, 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 boue. Béco, béco, béco. Putain, le baiser! Le baiser! Ça, ouais. Ça, mine de rien, tu sais ça. C'est combien de temps cette émission? Je crois que c'était l'an dernier, en vrai. Je sais pas si aujourd'hui ça peut passer encore ça. Je crois que ça doit être 2016. Non, mais j'en sais rien, en vrai, je sais pas. C'est pas si vieux, mais c'est pas tout jeune non plus. Ça doit être 2018, 2019. Ok. Je crois que ça passe encore, ça. C'est une connerie, mais. Là, c'est entre. Ouais. En plus, il a pas fait un bisou sur la bouche. Il a fait sur le côté. Ouais. Non, mais même pas. Regarde bien, il lui fait un bisou sur le menton, hein, regarde. Mais... On a la barre, allez, Elle a la barre. Et en plus, il a très bien avant. Il fait un bisou, Tu connais pas celui-là? Oh il bouge à peine, il fait ça. Il fait l'arrêt mental. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est un peu James Bond. Ouais, Gilou, Gilou, Gilou le boss. Gilou. Moi, je l'aime bien. 2017, 2015, ouais, bon, ça va. Regarde, il s'adore. Ouais, quoi? Mais non! Mais arrête tes conneries! Arrête tes conneries! Enfile les pieds. Les pieds aussi, hein. Moi, je veux tout voir. Les pieds. Putain, j'arrive pas. Vas-y. Hey, 3, 4, crochet! Lift, crochet!
crochet, crochet, droit, crochet. C'est bien, j'ai mal au bras. C'est bien, j'ai mal au bras. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors là, mais attends, Mais c'est un ancien là. Il est à l'ancienne, il est à l'ancienne de fou le man gros. Mais le mec, il est à l'ancienne, mais pour moi, c'est un voyou dans le bon sens. Non mais c'est. C'est un tueur. C'est un tueur, c'est James Bond. Regarde, remets-moi ça. Écoute, écoute. Écoute ce qu'ils disent. Oui. Hein. Oh, on va à l'hôtel maintenant. Ah oui. Allez, oh. Ah, c'est... Mais il est trop fort, le man. Écoute, le bras, le bras, le bras. Allez, oh, on va à l'hôtel maintenant. Ah oui. Allez, mais gros, il lui dit on va à l'hôtel. Ouais. Il a galoche comme un tueur. Putain, mais il est incroyable. C'est parti, allez. Mais attends, il s'arrête pas. Il lui dit on va à l'hôtel. Attends, mais ils y vont vraiment. Attends, je regarde ça parce que je comprends pas. Attends, déjà dès le début, regardez déjà, il lui prend le bras. Gilbert égale tueur. C'est tueur à gage, c'est Mr. Dynamite. Keanu Reeves. Ah, c'est Keanu. Ah, mais vraiment. Keanu Reeves. Non, mais mec, il est incroyable. Mec, il a fait un move, mais laisse tomber. Tu vois, regarde, on parle des jeunes, 25, mais ouais, machin non, et tout. Mais c'est ça, ouais, les jeunes de maintenant. 60 ans, mon pote. 60 ans, 60 ans. Il arrive, il lui dit. On va à l'hôtel maintenant. Il lui fait juste ça, et la meuf, pareil, hein, il s'emballe et tout. Hop, taxi lourd, l'hôtel, j'arrive. Putain, rien. Il y va, boum boum. C'est quoi, il emballe, putain. Non, mais on va voir, parce que regarde, il reste la toute fin. Donc on va voir si ils sont revus. Marion et David sont restés en contact. Ils comptent se revoir dès que David remontera sur Paris. Okay, ouais. Monia et Sébastien ne se sont pas donné de nouvelles. Oh. Ils continuent chacun leur chemin de vie. Mélodie et Arnaud cherchent toujours l'amour, chacun de leur côté. C'était bien la peine de dire non. Et alors, entre eux, à kidnapper. Tout se passe pour le mieux pour les Anne-Béatrice. Oh la photo Oh la photo de ma gueule Mais non Il est incroyable Gilou Oh là là, le man, il est comme ça, Acapulco. Mais ils sont trop forts. Je suis trop heureux. Ils vont trop bien ensemble. Les deux sont magnifiques. Oh, c'est putain, mais c'est... Ah, bah, vraiment le giga boss, quoi. Gilou, c'est un boss de le boss. Le sexeur. Sexophilasse. Mais non, mais en vrai, tant mieux. On rigole. Mais trop bien. Mieux. C'est très bien. C'est très bien. Ça, parce que les jeunes, ils ont le temps, ils sont encore jeunes et tout. Mais tu vois, mine de rien, à 60 ans, tu veux refaire ta vie et ils se sont vachement bien trouvés. Refaire ta vie, surtout, t'as pas envie d'être seul. C'est aussi le truc, plus tu vieillis, il y en a, ils veulent pas être seuls. Bien sûr, complètement. Donc, des fois, c'est avoir une compagnie. Bon, là, un peu plus que de la compagnie, je ouais, voilà, bah, filou. Mais Gilou. Ouais, franchement. Oh la vache. Le boss de Final Boss. Pour moi, il a été très bon. FFC. C'est un des top players, je pense, de la game. Il est jungle. LFL mid. Ah, vraiment, il a été monstrueux. Il est incroyable. Extraordinaire ce que tu m'as régalé, celui-là. Franchement, il m'a. Il fait franchement, un des meilleurs. Sans tout ce qui est blind date et tout. Enfin. Rendez-vous, premier rendez-vous, c'est fou. Tu connais. Alors. T'as une bonne droite quand même. Que... Ah ouais. T'as une bonne droite, hein. Je vais pas taper fort. Non, mais t'es bien. Moi, je veux qu'on s'attape fort. Ah, d'accord, ok. Oui, merci, merci de le reconnaître. Moi, j'ai fait. T'es kickboxer, non? Ah, c'est vrai que j'ai eu de l'expérience. Tu connais Kimbo Slice? Ah, oh la rêve, Kimbo. Feu, hein. Feu, Kimbo Slice. Feu, Kimbo Slice. Press F in the chat. Mais bon. Francis Ngannou. Je l'ai jamais dit, mais je l'ai lavé quelques fois. Non, parking, c'est... Avec un cric. Avec une arme à feu. Tutu, franchement, un combat régulier. Du coup, je te propose, parce que là, on était dans quelque chose de beau, on est dans les couples. Est-ce que tu veux qu'on reste dans les couples, mais les couples, si tu me permettre, qui auraient mal tourné? Oh bah là, c'est... Bon. J'ai un truc qui... Donne-moi ma femme est une gueularde. Donne-moi le menu. Non, on avait dit, ça me rappelle la maison. Non, je suis au boulot là. La réalité ne me rattrape pas. Non, je suis au boulot là. Ma femme est une gueularde. Ouais, vas-y. Aidez-moi, mon mari se prend pour le king. Après, on peut faire les deux, mais les deux sont vrais. Ah, quel choix cornélien. C'est choix cornélien. Parce qu'avec Xari, il arrive quand à 22h30 Je sais pas quand il aura fini. Après, Xari, après, on fait Lover, donc ah ouais, ça va. Parce que moi, donc, parce que Arthur, c'est pour la fin. Arthur, ce sera pour la fin. On fera 5 minutes, je pense, ensemble. Ok. Parce qu'on finit à quelle heure là ce soir? On finit pas. Là, je fais toute la semaine, je fais pas la journée, je fais toute la semaine. Tant qu'il y a un couvert sur le chat. C'est-à-dire nous. C'est-à-dire nos téléphones. On est foutus. On est foutus. Ah putain, à la gueularde, ça le sent bien. Qu'est-ce que tu veux? Non, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis chaud la gueularde. J'ai vu des gens gueularde aussi. Après, il y a le King, je l'avais choisi aussi parce qu'il y avait toi. Je crois que j'ai vu le King. On peut se faire les deux. Ça dure pas très longtemps, donc on peut se faire les deux. On peut regarder un peu. Ça fait 1h22 qu'on est en live de toute façon. Vu que Xari, on attend qu'il revienne, on va légèrement dépasser, si la régie le veut bien, évidemment. Quand je dis légèrement dépasser, on va peut-être arriver en bout de course à 23h max, tu vois. Donc, ouais, bien sûr. 20 minutes. Vas-y. Voilà. On y va. Et ben, vendu. Et ben, c'est parti, vendu. Hop, il est là, je l'ai ici. Et ben, pourquoi il s'affiche pas? Et ben, dis donc.
Bah attends. Et bah alors ? Bah qu'est-ce que c'est que ça ? Et quelle belle soirée, on se régale, c'est quoi donc ? Oh là, il m'a. Oh, Gilles, je vais avoir un emoji là. L'emoji, il est. Oh, incroyable ça, dis donc. Allez ! T'es prêt ? Je découvre avec toi. Mais. On mettra pause. Virginie et Ludovic vivent dans un conflit permanent. Il s'appelle Ludovic ? Putain, comment ? C'est toi et moi. Le couple ne se comprend plus. Attends, mais pour tout et n'importe quoi. Ah non, c'est Emily. Non, c'est Emily. Putain, ouais. Ah, pitié. Mais pardon, excuse-moi. Donc, Ludovic et Virginie. Virginie, deux enfants. Deux enfants. Ouais. Et ça fait deux ans qu'ils sont mariés. Enfin, ça ne va plus. Deux ans que ça ne va plus. Ah, deux ans que ça va plus. Parce que je veux dire, deux ans mariés, ils n'ont pas attendu. Ouais, non, deux ans que ça ne va plus, okay. Apparemment, à la maison. Donc, tu baisses le son. C'est clair ? Oh, c'est bon, Non, il n'y a pas de ta gueule. Ils ont pipé ta gueule pour qu'elle te zappe. Oh, la télé cathodique, mon frère. Oh, la vache. Là, c'est suffisant. Oui, tu vas où, toi ? Si tout le monde se fait... tu vas où, toi ? On rappelle, on ne se moque pas, on rit ensemble. Ah bah non, t'es fou. Et on va rire. Mais, j'ai pas ça a l'air... On sent que le mec, il est un peu... Après, le mec, il est quand même... Il y va dedans, il se fait pas malmener. J'ai l'impression que c'est les deux. Ah bah... C'est pas... Ma femme est une gueulard, mais j'ai l'impression qu'il... Mais il lui a dit ta gueule, quand même. Hein, donc, déjà. Je trouve ça très violent. Premier faux pas, déjà. Ouais. Attention, tu vois. Mets tes écouteurs de merde. Oui, je vais les mettre parce que j'en ai marre. Marseille. Oui. Allez, l'OM. Eh ben, ferme-la. Me fais. Quand t'as vu, reste dans une marque, un doute. Ta gueule. Un véritable bras de. Elle se regarde une rediff de Maïté. Honnêtement, on peut arrêter l'émission là. Le couple on... doit, c'est séparé. Séparez-vous, à ce niveau-là, je les pense amis, c'est bon. Ils ont deux gosses. Ils ont deux enfants. Starfall. Starfall. Super Nanny fait. C'est pas possible. Ok, j'en ai assez vu. Bon, là, voici les papiers divorce. Mais là, c'est pas Super Nanny, là, c'est Super Nganou qui faut. C'est ça, Nganou. Francis et Nanny. On finit, hein. Oh, la vache. Le conflit s'intensifie davantage et se nourrit des rancœurs de la veille. Pourtant, il y a 4 ans, lorsque le jeune couple se rencontre. Pourtant, il y a 4 ans, il était japonais. Avec son kimono. Cobra Kai. Il participe au tournoi de Cobra Kai. Cobra Kai et se blesse. Malencontreusement. À cause d'un coup de pied retourné. Face à Johnny. Johnny Lawrence. Johnny Lawrence. J'avoue, c'est la douleur, n'existe pas dans ce dojo. Mec, il a. J'avoue, il est magnifique. Ah non, putain, ça me termine. Il était japonais. La photo me dit. Ah, elle me fringue, putain. Les amoureux décident alors de s'installer. Ils sont heureux, il est heureux sur les photos. Et de fonder une famille. Oh putain, là-bas. Pour le ménage, c'est. Tu es Discord. Hein. Franchement, si vous avez les moyens de prendre un ménage. Sinon, c'est embrouillé. Ce que j'ai fait en France. Ce que j'ai fait en France. France. Ah, le mec. Sans vous, les mecs. Au bord du rouleau, là, ça me saoule, ça m'énerve. Il est pas au bout du rouleau. Il est au bord. Il y a un rouleau et le mec il glisse, il roule, il est au bord. Il a ses pieds. Il est au bord, il lâche au bord du rouleau. Si je lâche, c'est fini. Patate. C'est comme un MC, il court sur le rouleau. Il est au bord. Il est au BDR. Oh, putain, le ménage, vous ? Maintenant vous avez une femme de ménage ? Non, nous on n'a pas de femme de ménage. Ah, vous faites vous-même ? Oui. Ah, ça c'est beau. Et engueulade ou pas ? Oui et non. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'engueulade, c'est juste que en clair. Bon, mon bureau, c'est mon bureau, mais après, dans la maison, des fois, on est plus en mode ah putain, là, j'en ai marre, c'est en bordel. Il y a toujours des moments où c'est en bordel, tu vois, la maison. Oui, oui. Il y a forcément des moments. Plusieurs de maisons, elle est grande. Le linge et tout, mais c'est pas de l'engueulade en mode ah, t'as pas fait ça ou quoi, c'est juste ah, ça me fait chier, tout est en bordel, et du coup, on se met à ranger. Mais ah, en fait, moi, j'ai pas envie. J'ai ma belle-mère qui me dit ouais, prenez une femme de ménage et tout, et je suis en mode moi, j'aime pas ça. Ouais, ça gêne. Moi, j'aime pas que quelqu'un vienne faire le ménage chez moi. Ça me. Je sais pas. Ça, j'aime pas ça. Mm. C'est juste comme ça. Après, il y a des gens qui ça les arrange. C'est très bien, hein, tu vois, je dis pas. Mais moi, j'aime pas que quelqu'un vienne faire le ménage chez moi. Une fois, je crois, ma femme, elle avait la femme de ménage de mes beaux-parents, parce qu'ils en ont une, ils ont une aide à la maison, puisque mon beau-père, il est. FOB. Il est en fauteuil. Handicap. Et du coup, je sais plus pourquoi elle était venue, machin. Et vraiment, je sais pas, ça me gêne que quelqu'un nettoie chez moi. Ça me fait chier. Je suis en mode, bah, c'est chez moi, c'est à moi de nettoyer, c'est pas à quelqu'un de venir nettoyer. Mais c'est peut-être bizarre, hein, pour les gens, mais... Non, voilà. je comprends. Bref, voilà. Toi, je sais que t'as... Non, une femme ? Ouais, moi aussi, j'ai mis du temps, mais en fait... Moi, alors, je veux dire, ça me gêne, oui. Mais après, ça mais dépend. Attention, hein, je dis pas que c'est pas bien. Non, par exemple, moi, ma femme, elle travaille avec moi. Et du coup, elle est souvent aussi à la maison. Et elle a la petite à la maison, etc. Et du coup, moi, on a des plannings aménagés. Moi, tu vois, je suis ici le mardi et le mercredi. Et la semaine et surtout le week-end, bah, moi, je peux aider à faire le ménage, tu vois. Ouais. Si on n'était jamais chez nous en permanence et qu'on arrive, on pose un truc, machin et tout, pourquoi pas ? C'est une aide, tu vois, c'est une aide ménagère, ouais, au final. Mais vu qu'on n'a pas besoin, si pour moi c'est le bordel, c'est qu'on s'est mal organisé, c'est nous les merdes, tu vois. Ouais, voilà. Je sais ce que tu veux dire. C'est tout. Ah, mais d'accord. Oh là là, le Xav face à Monsieur Méniel. C'est qui ?
C'est Méniel. Ah ouais, Jérôme Méniel. C'est le mec qui sait, qui connaît rien. Attends, il fait un quiz là, il pose des questions, Il a son prime. Il pose des questions là. Il se fait baiser, je pense. J'ai l'impression là, Xari. C'est celui-là. Excusez-moi, je peux me permettre de vous demander votre cuit. On va faire un stream, les gars. C'est vrai ? Non, bah en vrai, on n'a pas le droit de restream un stream. C'est hyper. Ah bon ? C'est hyper mal. Ouais, c'est hyper mal. J'ai déjà fait, moi. Une fois, j'ai. Tu sais, je voulais. Ah, c'est pas vrai. Putain, mais je crois. Il est con. Non, mais avant, dans notre appart, on faisait le ménage, on a fait le ménage pendant des années. Ouais. Je suis d'accord un peu ce que tu veux dire, mais. Moi, quand elle vient, déjà, c'est celle de ma mère, donc on se connaît bien et tout. Après, elle fait des trucs vraiment, genre, trop chiants, genre le lit, les draps. Et ouais, des foires au passage. Mais ça, c'est juste que, putain, on l'a fait. Mais vraiment, c'est une aide à la maison, c'est une aide ménagère. Donc ouais, c'est bon. Nous, on a pris l'habitude comme ça. Ouais, mais elle est très bon. Elle était bon. Je respecte encore plus que tu es. Je ne te respecte pas. Encore moins ce que tu es. En tout cas, là, peut-être qu'il faudrait une femme de ménage. Je pense qu'il faut. Il faut plein de choses. Il y a un truc à faire. Il y a un coup de serpillère à passer, les mecs, ils sont comme des ouf. Ludovic prétexte ses cours de code de la route pour s'aérer. Pendant des heures entières, le jeune homme s'éloigne ainsi des tensions conjugales. Ça fait 6 ans qu'il passe le code. Il arrive. T'as ton permis ? Alors, un volant, c'est quoi ? Le volant, c'est quoi ? Alors, attendez. 6 ans. On n'a rien à faire dans une cuisine. C'est pas tata, c'est l'armée. Bon, les deux sont cauchemars, mais angoisse. J'ai ses ordres, je dois répondre aux coups. Ça, ici, et ça, et toi, ici. Et puis quand je rentre, ça y est, l'accueil, elle est. Oui, pardon, excuse-moi. Oh, j'ai un petit rappel comme ça ce week-end. Dimanche. C'est ta femme. Elle a enregistré le truc. Elle est arrivée. Ça, c'est fait. Non, ta manette Scuf Gaming à 200 euros. T'as pris une pression comme ça ? J'ai pris une petite pression. Tu peux nous en dire plus ? Déjà non. T'as mis une image de chat. Ça n'a rien à faire ici. La bague, elle est où ? Pourquoi tu rappelles alors que tu avais fait une dingue ? Ouais, on s'est embrouillé sur un truc, une connerie. Un truc nul, ouais, une connerie. Ouais, c'est une embrouille de couple. L'œuf qui m'a rappelé. Non, c'est quand c'est une connerie, quoi. Non, du coup, elle m'a refait le côté. Tu sais, elle est passée après. Ah, et là, je passe toujours après toi. Ouais, des trucs. Tu laisses traîner tes affaires. Ouais. Est-ce que tu laisses traîner le plus, c'est toi, Genius ? Mais pas grand-chose. À part ta queue. Je fais pas assez de. Non, surtout pas. Enfin, des fois, oui, mais bon, tu vas tenter. Voilà, moi, je la mets au milieu du chemin, c'est non, quelque chose. Et non, des fois je fais pas ses tâches ménagères. Qu'elle me rappelle, tu vois. Vous n'avez pas une aide ménagère ? Non, mais il y a d'autres. Elle vient qu'une fois par semaine, 2 heures. Oui. Après, toute la semaine, il y a encore du linge, il y en a plein de trucs. Il y a plein de linge et tout. Et... Truc classique d'une famille. Vider de la vaisselle. Tu vides pas ? Je le fais des fois le matin, mais pas tout le temps. Moi, je suis le videur fou du lave-vaisselle. Et ma femme, elle est remplie de lave-vaisselle. Ah ouais ? Oui. Elle déteste vider le lave-vaisselle, je déteste le remplir. Oh, putain, vous êtes... Nous étions faits pour être ensemble. C'est votre argument. Et du coup, j'ai dit, bah moi, je n'ai aucun souci à le vider. Et, mais elle n'a aucun souci à le remplir. Oh, donc, en fait, on a des petits trucs comme ça. Je fais tourner une machine, elle met à sécher, machin. On a des petits. Ouais. On est en full rotate. Putain, bah, c'est le yin et le yang. Hein. Et on est en duo-Q. Ouais. On est en duo-Q. Ah, duo-Q. Et bon, dans tous les cas, un duo-Q. Duo-Q, elle joue jungle. Du coup, tout ce qui est buanderie, le gank. donc on y va. Alors, on excellent. On est bien, on est très très bien. Non, mais vide, comme ça. Fatigué d'entendre les jérémiades de sa compagne, Virginie a supprimé à son insu deux de ses contacts. Le jeune homme va lui demander sur le champ des explications. Pourquoi tu les as bloqués ? Bah, d'après toi, t'as pas vu leurs photos au moins. Faut t'arrêter de bloquer Facebook comme ça. Et bah, arrête de prendre des canons. Tu sais très bien que je suis complexée. Je peux pas prendre des meufs normales. Hein ? Et la photo qui prend une barre. Ce que tu prends, quoi ? C'est comment réagir ? C'est quoi, t'as vu ce que tu prends ? Tu prends que des balasses. Oh, arrête. Tu peux pas prendre des cajots. Tu prends des canons là sur Facebook et tout. Tu prends des cajots, merde. C'est ce que tu prends. C'est après, on sait pas. Enfin, on a pas plus d'infos parce que ce qu'il ajoute des meufs pour tchatcher. Ou est-ce que c'était une amie d'une amie de machin. Mais bon. Ouais, de sa sœur. Dans tous les cas, que quelqu'un vienne supprimer tes profils et tout, c'est un peu chiant. Genre, et un respect de la vie privée. Après, bon, lui, de son côté, on sait pas est-ce qu'il fait des efforts. Me crache dessus. Mais est-ce qu'il est mort ? Je sais pas. Ouais, ça me choque pas. Je sais pas, mais là, c'est pas possible. Mais c'est juste que. Après, t'as vu, il manque de confiance en elle, normal, deux enfants. Souvent, tu sais, après les enfants, il y a des femmes qui ont confiance en elle. Bon, le mec, j'aime bien ce qu'il dit. Il dit je suis avec toi. Toi, il pose ses couilles. Non, c'est... il pose ses couilles, c'est... Bah, ils sont couple en fait. je pose mes couilles, attends. Hey, je mets un coup de pied dans un fourmilière, on est ensemble ou pas? Hey, je connais ton prénom. Attends, je te fais deux gosses. Non, mais il le dit, tu vois. Et... Bon, t'es jalouse. Bah oui, je pense que c'est ça. Mais
Après, elle est très agressive. Ah, le dialogue n'est pas ouf, ce moment. Oh, le coït doit être quelque chose. Hein. Le coït, là ? Il doit se faire gifler, le mec. À mon avis, oh, il ne dit rien du tout. Ferme ta gueule. Et tu vas me baiser ? Il te tait, oui ! Oh ! Faut pas respirer ! Dramatique. Voilà, c'est... En tout cas, bon, bah, c'est un couple, ouais. Un couple atypique. Ça, c'est des images. C'est des images. Et alors ? C'est qu'en face. C'est Jean-Paul Rouve. Ah, il est frite, c'est qu'en face. Quand même, il est dur à prendre au sérieux. C'est qu'un Facebook. J'aurais pas pensé qu'elle aurait pleuré quand même. Oh, assis-toi. Je suis en train de faire la cuisine, là. Assis-toi. Oh putain. Non, mais alors là, désolé, il a le pire move aussi. Mec, là, il peut arriver et lui dire on peut discuter, okay, voilà, on peut parler. Assieds-toi. Assieds-toi. Assieds-toi, je suis un peu pamplemousse. Assieds-toi. Assieds-toi, je te dis, tu te dis ta mère. Motard. Franchement, ouais, c'est non, non, après il est maladroit, c'est triste. Ouais, il est vraiment tu au bout d'un moment que tu as plus de solution. Je vais dire tout ce que j'ai sur le cœur, d'accord. Tout qu'est-ce que j'ai. J'en ai marre de t'entendre gueuler. J'en ai marre qu'on s'engueule. C'est pour ça que je suis à la maison. C'est pour te demander est-ce que t'es prêt à faire des efforts. J'en ai marre qu'on s'engueule. J'en ai marre que quand je te parle, tu m'ignores. Très vite, Virginie et Ludovic se rejettent la faute l'un sur l'autre. Et comme toujours, le ton monte. Est-ce que t'as pas le presse. Alors maintenant, tu me laisses parler, s'il te plaît. Maintenant, moi, je vais te mettre les 4 pains sur le lit. Les 4 pains sur le lit, je suis pas ta gamine, moi. Le 4 pains sur le lit. Peut-être pas ma gamine, mais maintenant, c'est moi qui vais prendre le taureau par les cornes. Oui, c'est ça. Moi, j'en ai marre qu'on. Non mais le mec... Il va prendre l'autoroute par les cornes. Hop, l'autoroute de Vinci là, hop, yes, il va la soulever et les cornes... Mais lui, il est au bord du rouleau, il prend l'autoroute par les cornes, il met 4 points sur les lits. Lui c'est un florilège. Il est sur l'autoroute, sur le taureau. Ah mais gros, c'est une masterclass. Après le mec, franchement, il se fait laver pendant des années et là il arrive, il fait le show. Non, faut discuter, faut que le dialogue il est des deux côtés. Franchement, on va... Tout ce que je vais dire là, c'est pas du tout méchant, mais il ne sait pas s'exprimer. Et, et ça, c'est hyper important. Dans un dialogue, il y a une tentative de après, elle est habituée. Et elle le lave juste en éloquence. Ouais, elle a pas gagné des concours d'éloquence, mais juste, elle sait parler normalement. Ouais. Et du coup, il est moins crédible, il divague, il est revenu, il avait vaguement... En plus, c'est le pire truc qu'il fait. Il vient de se monter la tête chez sa famille, ouais. Il rentre à chaud pour se la donner. Pire truc. Laisse passer la night, recogite et tout, et après tu poses tes trucs. Non, il fait tout à l'envers, le man. Non, il cherche pas le dialogue. La meuf est insupportable. Ah, insupportable aussi. Mais le dialogue, moi je pense. C'est les deux. Je vois qu'elle a pas l'air méchante. Elle a pas l'air méchante. Non. Mais en même temps, elle met les calepins sur les lits. Donc. Alors maintenant, tu me laisses parler, s'il te plaît. Maintenant, moi je vais te mettre les calepins sur les lits. Les calepins sur les lits, je suis pas ta gamine, moi. Mais maintenant, c'est moi qui vais prendre le taureau par les cornes. Oui, c'est ça. C'est la psychologue. Dès son arrivée, Karine va tenter de désamorcer leur problème. Ah ouais, je m'en rappelle, putain. Là, elle va sonner. Ok, elle ouvre la porte. C'est déjà réglé. Je suis là pour. Elle ouvre sa porte. Essayez d'aplanir tout ça. Je le souhaite, du moins. C'est hier. J'ai dit qu'il y avait plus de sentiments. Suite à j'en ai marre d'entendre gueuler. Et plus de sentiments, suite à j'en ai marre de l'entendre gueuler. Okay. Et là, depuis, bah. Elle est comme ça. La musique de loup-garou d'un contenteur. Ouais, c'est quoi. Elle me fait la tête. Elle fait la gueule, c'est qu'elle était punie, elle sort du pensionnat. Il y a I'm Just a Lover juste après. Putain, elle a. Ah oui, elle met l'enregistrement. Ouais. C'est violent quand même. Tu sais quoi ça oui, je pensais. Enfin, pardon. Ça, j'ai toujours pensé une fois. Alors attention, je suis pas dans la même situation, je suis quand même. C'est pire, tu m'avais dit. J'ai toujours pensé une fois faire ça genre pendant une record, semaine. Oui. Ouais. Et j'ai regardé, tu sais après, quoi. Tu te réécoutes, ouais. Voilà. Et je réécoute ma voix, comment je suis insupportable. Le mec il s'entoure. Et tu regardes, t'as vu comment je suis horrible. Non, juste pour dire, après, peut-être moi aussi, à me dire, tu vois, tu te rends pas compte pendant une semaine, regarde des fois comment tu gueules. Ouais, on l'a. Enfin, tout le monde, hein. On quoi, l'a. Moi, cette. Comment on s'appelle cette. Argument. Pas cette, ouais, cet argument. En mode, attends, mais un jour, je vais enregistrer, tu vas voir comment ouais. Tu me parles. Non, mais comment. Tout sorti. Avec un micro-cravate. Il a un Madonna. Il y a un perchiste. Il a un micro-main en permanence. Mais qu'est-ce que tu fais avec. Je sais pas. Oh, c'est pour. C'est qui. C'est ton pote. C'est le boulot. Non, mais d'accord, je comprends ce que tu me dis, vas-y. J'entends pas. Le perchiste. On l'a tout dit, mais. Non, mais. Ça se fait des fois, tu vois, de voir le comportement, ça peut. C'est... En fait, quand tu te réécoutes, tu te rends. Même soi-même, hein, des mais fois, oui, non, mais des conneries. Même, ouais, évidemment, sûr. Parce qu'on se rend pas compte des fois. On dit putain, mais la vache, en fait, c'est moi qui fais ça, là. Ouais. Et ça, c'est la première méthode. Karine Granvol. Tu te revois en émission. Je me revois en émission. Ah, bien sûr. Y a... Mais parce que moi, je fais rire qu'une personne, c'est moi. J'allais dire, rigole pas, des fois, je rigole moi-même. Le mec horrible. Mais parce qu'on. Ça m'arrive aussi. On rigole, tu on dit des conneries. Franchement, ça m'arrive, je mate le best-of avant de le mettre en ligne. Et pendant 10 minutes, je pleure de rire. Quand quoi. C'est toi, tu. Ah, oh, mais 10 minutes, et je pleure, et après, je regarde, je dis, oh, putain, mais c'était moi. Ouais. C'est...
mec, non, mais ça m'a... c'est rare, mais par exemple, quand Casu me fait les montages best-of, avant de les mettre en ligne, je les check et tout. Et des fois, toujours des fois, je me dis, hey, j'étais bon là. Ça m'arrive, c'est très rare parce que j'aime pas me réécouter. Pourquoi aller voir les autres ? On se fait rassurer. Ouais, vraie question. T'aimes pas te réécouter ? Non, j'aime pas me réécouter. Ah bon ? Non. Je m'insupporte. Non, mais t'es bon comme toi. C'est vrai que je suis monstrueux, mais non, en vrai, non, j'aime pas me réécouter, mais ça, c'est un truc. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas se réécouter ou se revoir. Ouais, au début, de se voir à l'écran, machin. Après, quand je sors quelques petites punchlines, j'essaye aussi. Ouais, bon, t'arrêtes, hein. C'est pas mal. Mais toi, t'es bon, hein. Tu dois te réécouter souvent. Ah non, déjà, me parle pas comme ça. Déjà, on n'est pas à toi. Non, t'es très bon, toi, je trouve. Non, moi, je me trouve pas bon, mais je me réécoute des fois pour. Je le fais plus. Tu te trouves pas bon ? En fait, non, c'est pas ça. C'est qu'avant chaque émission, pendant des années, je le faisais. Par exemple, à la fin de chaque matinale ou chaque récap, tout de suite, je regardais leur rediff. Je me faisais leur rediff. Pour savoir où est-ce que je peux aller. Alors, le récap, pas pour moi, mais je sais que le matin, tu le faisais tout le temps. T'as vu tout le temps ? Tout le temps, quand t'étais dans l'open space, tu te rematais le truc et machin. 3 heures d'émission. Mais ça, c'est pourquoi ? C'est parce que tu voulais t'améliorer. C'est vrai. C'est au-delà de ça, t'es en mode, ok, j'ai peut-être fait ça, machin, ouais, c'est encore différent. C'est mais quand t'as fait des dingueries, des fois, c'est bien de réécouter et de dire, putain, mais là, j'étais nul à chier. Ouais, il faut. Et donc, dans cette méthode, Karine Granval, là, c'est parfait. Elle est forte. Ça met les gens face à leurs propres actions et je me dis, mais putain, on est horrible. T'as vu la gueule qu'elle fait ? Ah, bah là, elle est en train de ululer. Elle a perdu les os, là. Je sais que je criais, mais je savais pas que c'était aussi aigu. J'entends pas. Ah bah oui, c'est un super. Bah ouais, c'est horrible. Bah bien sûr. Vas-y, voilà. Ludovic est tenu à adresser un message à sa femme. À son retour, Virginie sera-t-elle réceptive ? Sera-t-elle le décoder ? Ou elle sera partie ? À son retour, il sera parti. J'espère de tout cœur que tu vas changer. Il peut pas le faire en direct. C'est vraiment toi que je t'aime. Non mais il est là, mec. Juste, tu peux pas lui dire ? Ah ouais, le message qui est émouvant. Ça t'émeut ? Ouais, elle a l'air gentille. Mais bien sûr, ils sont mignons. Grâce non, mais elle, c'est sensible, moi j'aime bien. Elle est attachée. Semble à nouveau possible. Moi j'ai envie d'aller plus loin avec toi. Oh, il est là ! C'est rayonnant. Oh non, mais... Virginie va rejoindre. Allez, attends, attendez. Quoi, là. Comment c'était cette émission ? Attends. T'as un mic ? Attends, il est où ? Oh, tout est prévu. Oh, mais là, putain de merde. Alors ? Ça va, vieux. Ça te fait pas trop mal de revenir sur un poulpe vivant un peu plus bas ? Ouais, j'ai tous redirigé, donc là c'est bon, t'inquiète. Putain, GG. Excellent, il est là, putain. Alors, ma femme est une gueularde. Elle est une gueularde. Ah, mais on est dans le replay, hein, c'est ça. Non, on a débattu là-dessus. Ouais, on a débattu. Ouais, le tatouage sur le bras gauche. Oui, alors, ouais. Xari, selon toi, que penses-tu ? Le tatouage... Tatouage, coiffure. Le tatouage, là, le cœur. Qu'est-ce que c'est ? C'est une abomination. Les enfants ? Non, mais oui, bon, qu'est-ce que c'est un vrai bon, c'est au couteau. Ce rire vaut mille mots. ce rire de dédain. Moi, je disais, je pense que c'est un dessin fait par un enfant. Moi, je pense que si c'est un tatouage, c'est terrible, quoi. Ah, bah, je pense que le tatouage est en prison. À l'heure actuelle, il n'était pas dans Hickmaster, en tout cas. c'est catastrophique. Je suis pas sûr que ce soit un dessin d'enfant, mais c'est peut-être un enfant qui a fait le tatouage. C'est possible. Oh, j'arrive déjà. T'es déjà au-dessus. Laisse-moi un peu de place. Hein. T'arrives le relooking là déjà, putain. C'est rayonnant. Ils l'ont relooké là. Là, c'est bientôt fini. Là. Oh, pardon. Bon. Vous avez charbonné, hein, donc une émission et demie. Après, c'est dur. Hey, on a bien baisé après le resto. Ouais. Ah, le resto, mec, ça m'a tué. Toute belle. T'es sous une belle. Ah, elle est peut-être plus belle, mais lui, il a fait un relooking parce que c'est catastrophique. Hein. Non. Il change de liette. Non. Là, il sort d'un tournage pour le bazar du grenier. Il s'est fait laver, hein, vraiment. Mais gros, il est en jogging, il a rien mis. La meuf, chez le coiffeur, il pleure de voir sa femme, franchement. J'ai pas vu sa femme avant, donc. C'est la même chose que. Il y a moyen qu'il y ait un petit frère qui a du rejet de peine illégal dans les restaurants. C'est déjà fini ! Attends, quoi ? Ça finit comme ça d'un coup d'un seul ? Oh, il est là ! Il est là ! Mais on aura pas le temps. La prochaine, on se la garde. Je sais. Non, mais tout à l'heure, le roulage. Non, le roulage. C'est fini vraiment comme ça d'un coup. Et confession intime, c'est catastrophique. Ça se finit toujours sur. Il se passe un truc. Et on apprend la suite ou pas ? Non, c'est fini. Genre, lendemain, rubrique fait divers. C'était terminé. Mais l'épisode était spécial. Ah ouais. Ça m'a mis pas bien. Ouais, ça m'était dans un mauvais mood. On avait envie de se battre. Non, mais la meuf était gueularde, comme insupportable. Mais lui, il était catastrophique. Ouais. Aussi. DJ Mike tiers. Non, mais non. DJ Mike, honnêtement, est un génie. Alors, je sais pas d'ailleurs si toi, mais je suis pas mal de DM avec la chaîne YouTube de DJ Mike. Et il fait des prods encore. Ah ouais. Genre, il a live là il y a peut-être 2 jours. Où ça, à Tomorrowland? Non, sur son YouTube. Il fait des lives, il y a 1 ou 2 viewers. Quoi, mais... Et il est comme ça, il fait son DJ devant. Gros, donc le mec est heureux. C'est une question. Il a l'air, hein, mais il est tout le temps dans la même chambre et tout. Il a pas bougé. DJ Mike. Un DJ.
Non, pas, c'est très très long texte. C'est une longue histoire, mais c'est quelqu'un qui est passé aussi dans Confession intime. Genre, je suis un Tanguy, je vis chez ma mère. Oh, je l'ai vu. Et je l'ai vu. Kata. Et il a fait aussi tellement vrai. Si, comme si. Au fraudeur. Hein. Et si, il a fait tellement vrai, au moins en mode c'est un giga dragueur. Cheveux bruns très courts, et genre il a sa fausse platine et tout chez lui et tout, avec des vieilles. Je l'ai vu. Enfin, fausse platine, c'est des vrais. C'est vrai truc, sa mère s'est saignée au 400. Tu l'as vu, je pense. C'est celui-là. Non, je crois que je l'ai vu, mais il est fabuleux. C'était quand même assez dur, DJ Mike. Moi, ça faudra pas. La fin de roulage de pelle avec Gilou. On s'est levé, on a utilisé ça là. Non, bah normal. Il m'a mis une droite, il m'a touché. Là, il a raté le gant. Quand vous avez vu la photo de à l'hôtel là. Ah ouais, il fait bah là, on va à l'hôtel. Il ouvre le taxi à l'hôtel, monsieur. À l'hôtel. Il a foutu dans l'air, hop là. À la photo, tu sens que. C'était vraiment les deux boss. Ah non, mais lui, monsieur. Alors, Xari, par contre, j'ai une mauvaise nouvelle. Oh non. C'est qu'on a fait le truc Arthur. Non. Voilà, en 10 secondes, c'était 55 minutes. Donc, stop, on a fait un stop de count. Et moi, ce que j'ai proposé, c'est de diviser. Donc, on fera 5 minutes. Ouais, c'est parfait. 5 minutes de fin, c'est parfait. 5 minutes d'art. Parce qu'en gros, on avait largement sous-estimé la richesse des gens. Donc, bien sûr. En fait, c'était aussi un peu pour voir la richesse. Pour voir. En fait, c'était un bait. Là, on connaît un petit peu les moyens. En tout cas, on sait que les viewers, le stream, sont très riches. Mmh. En point. Bon, les amis. Après, si je peux me permettre d'enchaîner sur quelque chose qui me plaît beaucoup. Just a Lover. C'est un banger, c'est le babos. Oh là 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 là. Alors, pas de trop de spoil, mais. Non. Si je te dis influenceuse, si 4. De la rime. Babos. Je vais trouver un mot. Non, c'est 3 mots pour. Très bien, très bien, très bien. Mais je sens qu'ils vont se régaler. Tu l'as pas eu? Je crois qu'il est. Il m'a régalé le restaurant. Il est plus, il est pas là. Avec le Bogos. Bah, DLE. Ah, le Bogos, il était dur. Prend 2 secondes au pire. Il était dur, le Bogos. Il était où? Alors attends, je. Mon petit pote. C'est ça? Moi, j'avais pas eu dans la liste. Ah, attends, j'ai dû le mettre peut-être dans un mauvais onglet. Just Lover. Ah mince. Les gars, je suis désolé. Je vais régler ça. On peut se mater Arthur maintenant au pire. Ah bah on peut faire. Faisons 30 secondes. C'est 5 minutes. 5 minutes 50. Allez. 6 minutes d'Arthur, comme ça, on se finit par. Allez. I'm just a lover. Just a lover, c'est avec l'histoire de piratage et tout. Oui, notamment. Oh oui. C'est Ethel. On s'était arrêté à combien la semaine dernière, tu te souviens, Rizzo? Je vois des images, j'ai envie de mourir. Ah, c'est plus, c'était le sketch sur le skin baggy, jean skinny. Ouais. Je vais avancer un petit peu. Elle est où la boîte? La mode. T'as un DJ à l'entrée du magasin. Voilà ça. C'était après ça. C'était ça. Oh la vache. C'est dur, hein, tu vas voir que c'est trop. Oh putain. Tu as le One Man Danuna ou pas? C'est encore après. Le One Man Danuna, ce sera pour une autre. Fais une semaine spéciale dessus. Pardon. Après ça. One Man Danuna. Voilà. Il a essayé de me vendre un jean taille basse. C'est encore après ça. Parce qu'il y a la blague. Ce sont des jeans qui ont été inventés pour que les filles elles nous fassent voilà, voir leur ça. Oui, voilà, après ça. Dites pas qu'il n'y en a pas à Liège des petites gamines un peu potelées avec le jean et le string qui déborde par-dessus les bourrelets. Voilà, on s'était arrêté là à peu près parce qu'on avait acheté une descente et c'était dur. Donc là, nous sommes à 12 minutes 36. À Liège, on va aller jusqu'à 17 minutes 36. Voire 16, 20. Jusqu'à 12 minutes. Jusqu'à voir éteint maintenant. Donc, messieurs, dames, Donc, on a 5 minutes. 5 minutes, c'est déjà beaucoup, sachez-le. Le spectacle fait 2 heures. GG à ceux qui le regardent en entier déjà. Attends, t'as vu tous les gens qui sont dans la salle? Cercle d'hiver, hein, ils tournaient plein pot. Hein. On y va? Tu penses qu'on peut le faire? Tu recommences sur des filles à Liège potelées. On recommence ici. Très bien. Je lâche. C'est parti. Sachez qu'en tout cas. Et où la boîte? Et où la boîte? Sachez en tout cas que c'est vous qui avez voulu ça. Vous l'aurez voulu. Ce n'est pas nous, c'est vous qui l'avez voulu. Tu peux mettre en x20? Non. Les gens applaudissent. C'est au Stade de France, non? Avoir tous les applaudissements, je me dis qu'il y en a pas mal dans la salle. Hein. Elles sont là avec le jean qui déborde par-dessus les bourrelets. Comment t'expliquer, mamie? On dirait des muffins. Tu connais le muffin? C'est comme un gâteau avec la pâte qui veut s'enfuir comme ça. Et puis elles sont toutes faciles à reconnaître. Elles ont toutes un sac Dior en cuir Vuitton avec marqué Gucci dessus. Et puis elles ont un piercing à la langue. Ça, c'est la grande mode, le piercing à la langue. Il y a des filles qui se sont fait percer la langue dans la salle? 36. N'ayez pas honte, on vous voit pas. Moi, j'ai une copine, je dis, pourquoi tu t'es fait ça? Elle me dit, c'est parce que ça stimule le plaisir sexuel. Avec mon fiancé, Comment ça coûtait? La place? Pardon, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas entendu, je m'entendais blague. Avec mon fiancé, Ferge. Ah, mais il a craché sur le mec de devant. Il aime pas. Mais ça, il peut plus. Hein. Covid. Covid. Masque. Hein. En tout cas, le mec, il a pris double panne. Il est content. Arthur, il s'est craché dessus. Hein. Et il a payé la place. Il a payé la place. Et je préfère le crachat, quand même, c'est ce que j'ai retenu. Ça fait du gel.
Ça vient du cœur, hein, ça part d'un bon sentiment, je suis désolé, attendez. Faites ce qu'il faut. J'ai pas mesuré la quantité en fait, hein. Allez-y, t'en as un peu là, vas-y. Merci, pardonnez-moi. Oui, la bonne nouvelle, c'est qu'on va passer la semaine ensemble, je suis un peu grippé. Les muffins. Ouais. Attention, non, mais je leur tiens. Non, c'est qu'il en. En fait, il en met pas une dedans. Bien au contraire. D'ailleurs, Attends, les gens hurlent de rire là pour l'instant. Là, les amis, dites-vous. C'est les faux rires. Il en met pas une dedans. Il dit. Non, mais il n'y en a pas une. Tu sais, des fois, tu fais une blague, il n'y en a pas une. Là, ça fait même pas 1 minute 30. Là ? Oui, on est à 14 minutes. Mais non, depuis début de l'émission. Question, vous n'en avez pas marre des anorexiques qu'on nous impose dans les magazines, ouais. Les Kate Moss, les Paris Hilton. Aujourd'hui, t'as l'impression que quand t'es une la femme, frange à la Kate Moss, être à la mode, faut être en gastro du lundi au vendredi pour avoir les os en relief le week-end. C'est bon, j'ai l'épisode. Oh putain. Comment les gens. Mais après, y a rien de drôle. Ah, il en faut pour tout le monde, hein, je respecte. Avec des hanches et des seins bien lourds. Ça t'écoute bien, c'est drôle. Et c'est pas grave. Ah, t'as entendu ce qu'il a dit, Xavier? Oui, tout à l'heure, il me posait question sur toi. Moi, je ne suis pas le règle tous les mardis. On va parler de quoi? De gros seins? Non, je réponds. Ah, Gigi me dit. Mais il pense qu'à ça, ce mec. Gigi me dit, Xari, comment tu définirais Xari? Moi, je dis, l'humain, le cœur, gros comme ça. Et il me sort quoi? Il me dit, il aime les gros nibards. Et c'est ce qu'il caractérise au quotidien. Les gros flou-plous. Oh, beaucoup, une personne en régie que je ne citerai pas. Rizzo. Qui prend un malin plaisir. Rizzo, ça. Elle n'en peut plus. Ça suffit. C'est juste trop. Charles a vraiment disparu là. Je dirais, elle est où d'ailleurs? Je sais pas, c'est une cape. Je sais pas, elle est partie voir. Je sais pas. Elle voulait pas voir Arthur, je pense. Je pense qu'Arthur, c'était trop. Ouais, Arthur, c'était trop. Elle a décidé d'en finir, gros. Si c'est vrai, putain. Madame. En plus, l'avantage avec les filles rondes, c'est qu'après l'amour, elles te font toujours à manger. Oh. Mais faire des pâtes à 3h du matin, c'est pas sympa, c'est qu'elle a folle aussi. Oh, mais man, t'entends ce que j'entends? Est-ce que... Oh, mais man. Attends, il y a bon, d'un autre côté, ne pas manger pendant 8 heures, ça creuse, hein, je comprends. Oh, ce mec horrible. C'est tellement mauvais que ça en est brillant. Gilbert Rozon. Enfin, si je peux le citer. Attends, on fait une petite pause, attends. On relance. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de moi quand j'ai démarré à la télévision il y a quelques années, quand j'avais 10 kilos? Les lunettes. Vous souvenez-moi quand j'avais 10 kilos de plus? La fureur. Oui, alors tous ceux qui se souviennent, vous sortez. Pour tout vous dire, je suis bien dans ma peau. C'est misogyne, c'est grossophobe. J'aurais jamais les tablettes de chocolat comme les sportifs, mais je suis bien, je suis assez content. Pour être honnête avec vous, en fait, l'ex de ma femme est très beau gosse. Et ça m'énerve et ça me complexe à mort. David. Vous le connaissez, l'ex de ma femme? David. Ça m'énerve, je viens de vous le dire. Il faut aller total. C'est une blague. Ça vous énerve pas, vous les mecs, les ex de vos nanas? Non. Personne répond, hein. On veut pas d'histoire, pour une fois qu'on s'engueule pas cette semaine, on répondra pas. Eh bien, vous savez, mesdames, nous les hommes, on ne supporte pas une seconde que vous ayez pu rencontrer quelqu'un avant nous. Mais qui a écrit le spectacle? C'est plus fort que nous. Mais c'est ça, il y a des mecs qui ont écrit ça. C'est pas lui, hein, c'est pas lui. Je sais que c'est pas lui 100%. Peut-être dans la desk. Regardez, mais je sais. Il a pas écrit une ligne, hein, le mec. Ça fait combien de temps, là? Une heure, non? Il nous reste 1 minute 40. Non, mais y a pas. De cauchemar, y a rien. Il y a tout le spectacle sur YouTube. Après, la question, c'est est-ce qu'il a vraiment été écrit, ce spectacle? C'est pas une vision. En pur impro, j'ai fait. En pur impro. Voilà, franchement, c'est beau. Non, en pur impro, mais... allez voir Kéron plutôt. Vraiment. Ouais, bon là, en pur impro, il fait ses points, quoi. Il passe de 1 à 2. Oui. Pour nous, toute notre vie, vous êtes des premières mains. Ils ont monté des bestioles, les mecs. Non, mais depuis tout à l'heure, gros, c'est le zoo. C'est vraiment horrible. Après, c'est Arthur, c'est un bon producteur. Vous avez vu qu'il y a que les garçons qui ont applaudi là sur ce coup-là. Non, d'abord, mesdames, je vous prie de m'excuser pour la grosse bêtise que je viens de dire. Je ne le pensais pas. Mais c'était simplement pour vous montrer et vous prouver que Dieu, quand il a créé l'homme, le mâle, il nous a rendus très cons au niveau de la jalousie. Oui, c'est parce qu'il nous a donné... Ben ouais, putain. Regarde comme c'est blindé. Regarde comme c'est blindé. C'est parce que Dieu nous a rendu très cons au niveau de la jalousie. C'est pas de notre faute. Il nous a donné un sexe et un cerveau. Je sais pas qu'on se t'aime. Mais pas assez de sang pour irriguer les deux en même temps. C'est tout. Hein. C'est très bien. Il avait répondu à mes tweets.
quand j'avais critiqué Zombieland. On s'en fout. Hein. Ah bon? Il nous reste une minute. Putain, mais ça fait une minute. Arrête de faire pause, gros. C'est ouais, putain. Ah bon. Le sublice, le sublice. Je comprends mieux quand tu dis que t'as mal à la tête. Hein. Mais rassurez-vous, mesdames, vous aussi, vous êtes jalouses. Mais vous avez inventé un mot rien que pour vous, ouais. Vous êtes possessive. Alors, je vous explique. Possessive, c'est jalouse à la puissance 84 000. Et de nos jours, mesdames, on peut plus vous échapper. Hein. Au hasard. Vous nous traquez nuit et jour avec vos portables pour savoir ce qu'on fait. Mais vous la connaissez, cette phrase que toute la France, toute la Belgique, toute l'Europe, la planète entière prononce quand ta femme t'appelle, elle dit « Bonjour, ça va? Tu vas bien? Oui. Tu es où ?» Pourquoi tu me demandes ça? Tu es où, c'est tout, j'ai le droit de savoir, je suis ta femme. Écoute, calme-toi. Tu es où? Dis-le-moi si tu n'as rien à te reprocher. Tu écoute, calme-toi. Tu es où? Je crois que c'est bon là, gros. Retourne-toi, je suis à côté de toi. Ouais, c'est bon là. Je crois que c'est bon, gros. Au pire, on rattrapera la semaine prochaine. On a même fait 10 secondes de rap. Allez, allez. Oh, bah allez. I'm just a lover. I'm just a lover. Renoue, Estelle, là, je sais pas quoi là. Vas-y. Cauchemar. Mec, c'est. Et quelqu'un qui me disait, est-ce que je suis toujours bloqué par Arthur? Non. Ah oui, tu t'es fait bloquer par Arthur? Ouais, parce qu'on s'est embrouillé. Ouais, ah oui, c'est vrai! Donc, moi, avec mon histoire, je suis petit là à côté de toi. Oui, petit, moi, je l'ai lavé, hein, donc. Et du coup, non, il me bloque plus, il me suit. Ah bon? On a échangé en DM et tout. C'est pas vrai? Bah si, je te jure, c'est vrai. Non, vraiment? Mais bon, putain. Ouais. Showbiz. À propos de ça? Bah oui, du coup, je rends moi aujourd'hui. Tu fais la première partie. Non, alors. Après, c'était une autre époque. Ouais. Hein. Moi, je l'ai déjà dit. J'ai beaucoup de respect pour le producteur, mais pour tout le reste. C'est un très bon producteur. Un producteur, il a une carrière. Un j'aime pas du tout. Mais ça, oui, mais il a une super carrière quand même. Mais gros, ça par contre. C'est le cauchemardesque. Ça, c'est non. Mais apparemment, Hanouna a fait un spectacle aussi. Il en a fait un, mais je crois qu'il y a eu, sans mentir, peut-être une représentation. Vraiment, hein. C'est bien, il faut le retrouver. Ah oui, il a fait un spectacle. Ou au point c'est ça que les deux. Point virgule. La virgule, tout court. C'est pour ça que les deux se sont embrouillés. Si tu l'as déjà vu. Nous cherchons tous le grand amour, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais vu. Ça s'est lancé. J'ai jamais vu, mais je veux bien. C'est où? Alt tab. Elle est psy. Attends, on rate tout là. Non, on rate pas tout, t'inquiète. Fermez les oreilles, c'est le spoil. Je vais fermer les oreilles. Ok. C'est bon. On y va? Je peux rester. Okay. Ouais. I'm just a lover. Oh, ça, let's go! Ça, c'est mal. Oh oui, non, oui. Ça bug, tu verras que ça bug. Là, ça va te mettre pause. En fait, c'est qu'il y a du délai. Oh, la double tape. C'est bugué, je sais pas pourquoi. Je pourrais en parler pendant des heures. Malheureusement, nous sommes déjà au bout de la séance. 20 minutes de rab que je lui ai accordé à Madame Lantier. Comme nous. Tout ça pour l'écouter me raconter sa dernière expérience avec un poireau. Elle est cuisinière. Enfin bon. Pépé Garcia. Pépé Garcia. Viens, j'ai mon neveu qui joue avec son groupe dans un bar. Ça va être sympa. C'est gentil, mais il faut que je prenne du temps pour moi. Et pour info, j'en suis déjà à la phase d'acceptation de mon divorce. Divorce. Je sens juste du déni. À 19 ans. Et je commence à entrer dans la colère. Oh, la vie. Il y a quoi quand tu découvres que ton mari te trompe à tort et à travers? Heureusement que Simon m'est fidèle. Oui. Waouh, c'est tu es du haut niveau. De drame humain. T'as vu la transi? Oui, je te montre. Ouais, oui. Regarde, hein, transi. Oh, la transi de forme, putain. C'est totem et tabou, attends. Elle est comme ça. Corsaise. En tout cas, GG au caméraman. Hein. Enfin, il se régale, là. Ouais. Le plan est pas long. Hein. C'est plutôt mignon, ce livreur. J'aime bien son sourire. Et les mêmes, ils sont à part. Oh, c'est magnifique, putain. Pas que le canapé est vide. En vrai, il est pas si grand que ça. C'est juste la petite. Ouais, mais on dirait que. Mes parents, on dirait qu'il y a un giga de 20 km alors que c'est juste un canapé d'angle. Oh non. Non, le livreur m'obsède. Oh, je suis imaginé chez moi comme une pulsion inconsciente, forçant les portes de mon surmoi. Oh, mais ta gueule. Elle vient de divorcer. Type que je ne reverrai jamais. Bravo, docteur. Allez, si c'est l'ivoire, je pète mon crâne. Anthony, Anthony, il est incroyable. Hello, guys. Salut. Vous allez voir, vous allez le découvrir. Oh, mais... Arrête, et s'il lui rapporte un chirachi, je pète encore plus mon crâne. C'est dur à suivre quand même. Bonjour. Je vous apporte votre chirachi saumon. Gigi, attends, tu peux faire toi parce que. T'as vraiment fait un coup? Non, mais j'ai peur. Vas-y, je l'appelle. On fait un chacun. Droite. Vas-y. Ah, elle est belle. Non, elle est belle. Ah, putain. Tape un peu. Non, attends, t'es fou. Vas-y.
la vitesse. T'as vu oh, pardon, c'est ça. En fait, le point, il est directement là. Je suis en Vandamme, c'est la pâté. Tu veux directement. Vas-y, fais-le super vite. En vrai, on rigole, mais il va vite. Regarde, faut que ça soit léger, tu vois. T'es là. En vrai, on rigole, mais il va vite. Bon, c'est pour... Je peux poser une question. Je suis Playman. Non mais est-ce que le chat. Il est con. Attends, tu peux le refaire deux secondes. Mais remets. Non mais juste une seconde. Fais le zoom. Vas-y. Fais-le. Avec ça, léger. Mais on est d'accord, la caméra a pas assez d'image pour capter le mouvement. Bah c'est une 30 FPS. Ça va juste. Bon, tu me regardes, t'es bon. Allez, remets ça. Passez un bon samedi. Bah, c'est un livreur, casse-toi. Comme il a mal. comme un maniaque. Attends, le malade mental. Mais regarde, il a l'air. Il le lock. S'il te plaît, regarde. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Maintenant que vous êtes là. Vous n'étiez pas en plein travail? Non, si. Vous savez que ça, c'est. J'y crois pas. Non, bah. Spirituel réel. Hein. C'est quoi ça? C'est du théâtre? C'est un extrait de scénario pour un casting bidon que j'ai passé tout à l'heure. Et ça s'est bien passé? C'était horrible. Regardez ce que je devais faire. Les comédiens, bah non. Ah oui. Visiblement. Oui, en effet, oui. Mathias la plaque contre le mur et l'attrape par la gorge. Et après, je dois lui dire: embrasse-moi, beauté. Et là, elle devait me cracher à la figure. Oh! Comme il m'arrive de travailler avec des patients violents, j'ai pris des cours de self-défense. Oh! Eh ben non! Bah, c'est ce qu'il faut faire! Non, évidemment, bien sûr. Franck Oppers, putain, il est là. Embrasse-moi, beauté. Oh, il va pas se passer ça. Oh, si, la tête de ma mère, toi, la tête de ma mère. Attends, mais dis-moi! Je vais péter un plomb! Arrête! C'est quoi ça? Non, tu peux bien cracher! Une minute! Ça m'énerve, putain! Une minute! Une minute! Au moins, la fois, ça tourne un peu autour du pot, là, c'est zéro! Mais pareil, gros, un jogger, il fait deux fois le tour, il s'emballe, il se pepse! Non, mais vas-y, c'est trop gros! Après, faut y croire, ça peut se passer, tu vois! C'est... Mais ne m'embrouille pas! Embrasse-moi, botte. Eh ben, tu quoi, que la tête de ma mère, je dois recommander sa chimie! Voilà! Putain, laisse-moi lécher! Laisse-moi lécher! Allez, va! Ça t'est déjà arrivé, ça, Xav? Vraiment jamais, quoi! Moi j'ai que des mecs en livreur. Oh non, trop bien par contre. Puis du fou. Et eux aussi. Ah, bonjour. Il me flingue. Oh les lunettes. Oh les lunettes, c'est... regarde le Clark Kent. Morpheus. Oh, les armes, il a tête ça le mec, regarde. Allô Lucie. Allô Lucie. Bonjour Marc. Anyway, je vous présente Joe. Pendu hein. Mon boyfriend. Oh, toi tu t'avais dit. Soon to be ex-boyfriend, il faut croire maintenant. C'est bien ce qu'on avait convenu la semaine dernière, non? Oh mon dieu. Soon to be egg boyfriend. Je savais. Pilotage automatique enclenché. Ok, j'ai tout à fait. Ça se voit pas, t'as les yeux qui saignent. Oh putain. Oh, excusez-moi, il a piqué sa laine à Sins Emilia ou quoi? Qu'est-ce qu'il branle? Tout le bonheur du monde. Non, c'était. La vache. Tout le bonheur du monde. Et que quelqu'un vous tende la main. Donc au téléphone, c'était elle, j'en étais sûr. Pote avec le mec de Sins Emilia. Ah ouais? Il m'a, si parti, m'a bien proposé bien de participer à son trip, mais j'avais pas vu le mail et du coup j'ai. Et vous n'habitez plus ensemble. Non, c'est stylé, monsieur ouais. A préféré repartir vivre chez sa appelle. Maman. Tu préférais que je t'appelle comme tes losers de potes? Jojo? Sérieusement? Jojo! Tadada! Tadada! S'il vous plaît. Ok, bébé! Je pouvais pas prévoir ce qu'il allait me faire subir. Ce matin vers 10h, il s'est ramené chez moi comme une fleur et c'est là qu'il. Je lui ai dit qu'il était grand temps qu'on arrête de continuer à faire semblant d'être ensemble. Elle est maniérée. Que j'avais rencontré une femme, que j'avais passé le week-end avec elle et que je comptais la revoir. Oh putain, ma chérie. Je dois accepter de ne pas pouvoir disparaître vers maintenant. Et la Madonna. Jamais je t'ai trompé avec mon cœur. Avec autre chose, par contre, tu t'es pas gêné, hein? Jamais je t'ai trompé. S'il vous plaît. Je vais jeter mon micro dans la télé. Attends. Je veux me salir autant que tu veux, je t'aime. Il a le meilleur des deux mondes, le mec. Putain, c'est un génie. Oh putain. Dionysus, je t'autorise. Je peux? Non, sans le gant. Oh, pourquoi sans gant? Parce que toi, tu étais. Mais t'arrêtes, tu m'as pris quoi? Ça va me faire mal. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai raté. Top pour moi. Ici. Ça rigole, c'est parti. Encore un. Pourquoi? Ça me fait du bien. Tiens, moi aussi. Ah putain, c'est ça. Moi aussi, je veux salir des gens. Le meilleur des deux mondes. Putain, mais non, mais c'est une fiction. Par contre, j'aimerais me l'ouvrir. C'est une fiction. On est sûr que c'est une fiction? Non, c'est. C'est sûr, c'est ça. Histoire réelle.
passait tout le reste de la séance à se plaindre qu'elle avait perdu plus de 200 followers en une semaine. Qui c'est ça, des followers? Le seul genre d'amis qui compte véritablement pour elle. Et si jamais elle découvre que la clocharde qui couche avec son mec, c'est moi, ça va l'anéantir. Attends, qui couche avec son mec, tu comptes le revoir? Il me tue, le mec. Tu veux mettre en péril ta carrière pour un coup d'asseoir avec un babos qui t'a livré des nems? Avec un babos? Je n'ai jamais vécu ça avec peur. Avec un babos, c'est pas le barbeau. Avec un babos. Un babos qui t'a livré des nems. Gros, il a mis la totale. Le mec, il a tout mélangé. Des nems. Ah, c'est un babos, c'est quoi? C'est un livreur, c'est un... Non, un babos, c'est un mec qui est près de la nature et tout. C'est un hippie, quoi, un peu. Babos, c'est tel plein d'eau, c'est pour dire un con, des fois, un mec un peu. Non, mais par contre, regarde bien, ça dégaine et tout. C'est un gros, c'est un con. Ouais, lui. Non, lui, c'est le chef de fin. Ça bug comme ça, on a un PC à 3000 euros, là. C'est vrai. Hein. Oh, fusée de prendre une passion. Putain, bah non, c'est un babos. Un babos. C'est le mec qui utilise le mot pour rien. Livre des nems. Enfin, tu vas quand même pas ruiner ta carrière pour un babos qui livre des nems. Pour un coup d'un soir avec un babos qui t'a livré des nems. Il a même regard. Les gars. Il a des lunettes. Excuse-moi, mais Agathe, tu vas pas ruiner ta carrière pour un babos si t'as livré des nems. Le regard, il me tue. Mes émotions. Ce plan était pas long, on a eu le temps de faire un sketch. Hein. Et de quoi une heure comme ça. Je suis dans mon corps. Elle me rappelle quelqu'un. Ici. Je t'aime. Voilà. Merde. 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 Il m'aime. Tu peux pas dire ça, tu me connais depuis 2 jours. Trop. De 2 jours. C'est la première quand ce sera plus ta patiente. Oui, allez, faut partir. C'est horrible, c'est un giga bot. C'est un maniaque, le mec. C'est un PNJ. T'as vu comment il tourne tout de suite? Est-ce que je me permettrai de revenir? Je t'aime. Je suis un babos. Mais l'autre. C'est quoi là? Titanic. Attends. Je suis enceinte. Mais. C'est pas le fils de Jonas. C'est un autre. Non, c'est un autre. Et vous lui en avez parlé? Parce qu'elle a jamais trompé avec son père. Il a compris ses erreurs, on va repartir sur de bonnes bases. Oh non! Je crois qu'il est archi content d'être papa. Vous pensez que je vais être une bonne maman? On fait pas trop, c'est bien. Oui. Elle m'a vraiment posé cette question. Mesurer, c'est modeste. Ouais. Vraiment. Joe Pesci. Oui. Ça fait la baraque. Mais lui, il est tout le temps là, lui. Mec, il est tout le temps là. Il apparaît. C'est un stalker, il est là. Mec, c'est le mec. Il apparaît. Je connais le mec, il apparaît. J'avoue qu'il y en a quelque part, il est là. Il attend devant, il tape. Docteur Strange. Vadenem. La magie du babos. Il est trop fort. On rappelle que babos veut dire hippie, parce que c'est vrai que ça fait. Oui, c'est vrai. Au début, j'ai pas rigolé tout de suite, j'ai cherché. Attends, je regarde. Ah, le babos! Oh, le babos, c'est lui, c'est lui! C'est un truc hyper raciste, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, tu vas pas ruiner. Avec tes nems. Je suis désolé, mais il fallait que je te. En tout cas, le bleu et le marron, ça va bien ensemble. Tu vas être le match parfait. Hein. Tu crois que j'ai envie pour l'enfant et pour mère de vous annoncer l'âge mental d'une gamine? Mais taré. Je t'aime trop pour te dire adieu. Mais quand alors? On se reverra quand? Non mais soit c'est un fake, soit c'est pas son gosse. Non mais reconnais que t'as tous les ingrédients pour un bon. Je suis désolé, c'est le meilleur perso de l'histoire. Non mais mets une veste, c'est toi. Mets une veste, c'est ça. Si tu devais faire la définition du fils de pute, il est vraiment top tier, gros. Genre vraiment, tu mets un portrait. On peut apporter une veste à Clarisse. Enfin les gars, désolé. Ah, tu te fous de ma gueule, quoi, c'est n'importe quoi. Regarde, enfin. Fallait pas mettre en péril ta carrière. Un babos qui a porté des nems. Oh, j'y vais, putain. Il me régale. Je sais pas quoi dire. Non, c'est bon. Pas fini. Il faut que je fasse quelque chose pour m'apaiser. Okay, quelque chose pour me détendre. Ça va? Quelque chose pour me détendre et il arrive. Oh, non, mais... Quelque chose de radical. Oh. Cette série, ça. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, il a pas une femme, lui? Non. Attends, il va faire l'amour comme un babos. Le docteur Carrère s'est appelé mec de ses patientes. Faites attention, madame. Faites attention. Mon mouchoir. Faites attention. Excusez-moi. À l'aide. Faites attention. Juste... Bonsoir, madame. C'est votre commande. Le pote. C'est le pire comédien de tous les temps. Même l'autre, mademoiselle, là, était trop fort. Et Jonas vient de décrocher un premier rôle. Difficile à croire. Et vous, croyez-vous au grand amour? I'm just a lover! Just a lover! Let me fuck you! J'ai craqué! Il est bien, mais ça manque de matière. Tu vois, c'est moins charnel que l'autre. Ouais. Oui, mais. Non, en fait, juste pour le personnage de. Par contre, le psy. Ah, le psy. Alors, non, mais juste ce mouvement de balancier. Est-ce que je peux t'appeler une semaine? Bah, le chewing-gum. Mais t'es tellement beau. Par contre, pour moi, c'est legit le pire épisode en termes d'acting. Vraiment, je ne plaisante pas. Ah non. J'ai ressenti un malaise palpable et constant tout le La fille Estelle, là, Esther.
Non, elle... Estelle. Estelle, Eustache. Moustache. Comment? C'est Estelle. Estelle, voilà. Elle jouait vachement bien. Elle jouait vachement bien. Ouais. Enfin, vachement bien, elle jouait beaucoup mieux. T'as bien aimé la scène où elle se met sur le canapé, hein. Mais quelle scène? Non, mais y a pas un man pour attraper l'autre, là. J'avoue, non. Ici. Le... si, ah, je suis désolé. Si, les lunettes. Les lunettes. Non, le babo, c'est les mêmes. C'est très bien, mais bon, c'était voilà. C'était cata. Les yeux. Mais très bel épisode. Tu nous avais pas menti, Xavier. L'actrice, elle est. Elle est pas terrible, mais. J'en ai regardé 10 des épisodes de Petit Secret. Je crois qu'il y en a pas un qui est nul, tu vois. C'est tous. Non, mais c'est tous des bangers. C'est délice, c'est délice. On a combien nous là? C'est votre combien de ouais d'épisodes là? Xavier, il en a vu beaucoup. Moi, j'en ai pas vu. Il reste. En fait, 8. Les gens me demandent d'en faire, mais je suis en mode tu préfères les faire là, tu vois. Ah bah, c'est mieux parce que Gary il les fait déjà le dimanche, ça va, et ça sert à rien que je le fasse, et après le mardi on est en mode ah là, on l'a vu. En fait, quand vous en faites un mardi, vous l'avez jamais vu. Lui il l'a vu, certains découvrent. Comme ça, voilà. Ah, mais après, ça se revoit très facilement. Ça se déduit ça. Ah, très facilement. Très bon, très facilement. Après, il en reste combien là techniquement? 8, il en reste 8. Petite huitaine. Mais ils continuent d'en produire là ou pas? Là pour l'instant c'est stoppé. La prod est stoppée. Tu peux passer la guitare qui était toute. Pardon? I'm just a lover. Oh, t'es bon. I'm just a fucker. Ce que tu viens de faire, c'est un meilleur jeu que toute la série. Ah vraiment, je suis bien. Bah écoutez, ainsi s'achève la rencontre. Et on a bien dépassé 23h16, merci à la régie de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de la nuit. Bienvenue, Marie. Oh. Encore une fois, Marie est de retour. Marie. Merci à tous d'avoir suivi ce Régal. J'espère que vous avez passé un agréable moment. On s'est régalé bien comme il faut. Merci Xavi encore une fois d'être celui. Okay, merci mon petit Norman. Plaisir à partager. Plaisir. Mais on s'est régalé encore. Merde. Putain, c'était beau, merde. On se retrouve demain pour la suite des programmes. Mardi prochain pour le nouveau React. Prenez soin de vous. Régalé. Et voilà, c'est tout. Salut tout le monde.